Voilà, c'est bon, je vais commencer à enregistrer. Voilà Nelson. Bonjour Nelson. Sandra, elle n'est pas encore là, Sandra. Bon, donc, je disais, donc, Lavic Nobel, Virginie Sautrel et Vincent Pecchino sont excusés. Et puis, j'attends le mail de Pamela King pour qu'elle me renseigne comment mettre tout sur le site de la SREP. Donc, on va tous les enregistrer, même la toute dernière séance qu'on va faire en présentiel, qui aura lieu le 3 juillet et non pas le 26 juin et non pas le 10 juillet comme j'avais d'abord annoncé, mais le samedi 3 juillet. Ça sera donc en présentiel. Pourquoi en présentiel? Parce qu'il y aura un apéritif et je vois mal faire l'apéritif par Zoom. Hein, donc la SREP offrira un apéritif à tous ceux qui seront là. Donc j'espère que ça sera une motivation supplémentaire. Il y aura même du sans alcool pour ceux qui sont sans alcool. Donc, ça c'est la première information. Donc, la prochaine séance c'est le 29 mai, samedi 29 mai. Là, Pourquoi pas en présence, René, le 29 mai? pardon, Pourquoi pas en présence le 29 parce que mai? je ne le sais pas encore. En Suisse, ils prendront la décision dans le courant mai pour savoir si le 29 mai on pourra être en présence parce que les restaurants devraient ouvrir fin mai. Alors, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant en fonction des décisions qui seront prises. Ça reste une possibilité. Ça reste une possibilité le 29 mai, mais Oui, je vois. même si nous sommes en présence le 29 mai, je ferai une séquence Zoom pour enregistrer toute la demi-journée, de manière à ce qu'on ait toutes les demi-journées sur vidéo, sauf les deux premières où on a un enregistrement audio, mais qui seront aussi sur le site. Puis après, le 3 juillet. Là, en principe, je crois Ah que... mais attendez, en regardant le chat, elles ont raison, Alexandra et Violaine, c'est que c'est People le 3 juillet. Ah bah, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est People le 3 juillet, ouais. Ah bah, tu vois, j'ai pas... Comme je ne me suis pas inscrit à People, c'est pour ça que j'ai pas matché. Alors peut-être, je sais pas, il faut qu'on en discute. Comment est-ce qu'on peut faire? Peut-être aussi à Mais toi. pourquoi on ne reviendrait pas au 10, puisque tu avais d'abord mis le 10, Moi, je un peux petit plus peu. maintenant le 10. Comment? Je peux plus maintenant le 10, Christiane. Bon. J'ai un événement familial et personnel. Attends, voir, je prends mon agenda. Hop. Ça peut être un autre jour que le samedi, peut-être. Alors, si c'est un autre jour que le samedi, bon, si c'est un jour de semaine, ça demande aux gens d'annuler toutes leurs consultations, puisque la plupart, enfin, beaucoup de gens d'entre nous consultent, ou alors ça peut être un dimanche matin, mais ça... Ou un vendredi soir. ou un vendredi soir aussi, oui. Alors, Vendredi 2, par exemple. attends, je regarde. Le vendredi 2 au soir, moi j'ai une réunion du bureau de la SREP. Et puis il est difficilement changeable parce que c'est avec aussi le nouveau bureau qui sera présent. Donc c'est un peu compliqué. Mais un peu le jeudi 1er juillet, le soir, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a. Parce que si on fait un soir, on pourrait le faire à partir de quelle heure pour qu'on finisse pas des heures indues. Si Si on... c'est un jeudi soir, moi personnellement, je préférerais le 8 juillet. Si Alors. c'est jeudi soir. Je ne peux pas vendredi 9, mais le Okay. jeudi 8, je peux. Alors pour moi, le jeudi 8, ça joue aussi. Si on fait de 19h, 20h, 21h, 22h. Si on fait une séance sur 3 heures, ça joue. Il y a quelqu'un qui sait faire un doodle, je ne sais pas quoi là. Un pôle. Les trucs en ligne où on peut mettre des disponibilités. Moi, je serais assez pour proposer pas trop de dates parce qu'on ne va pas s'en sortir. On est quand même très nombreux. Donc, faire un doodle avec beaucoup de dates, à mon avis, on ne va pas s'en sortir. Mais alors, est-ce que Du toutes les moment qu'on fait personnes... par Zoom, je trouve que proposer un soir. Effectivement à 19h, pourquoi pas le 8 juillet, puis on peut peut-être mettre une deuxième date, mais Zoom,
Et justement, l'idée de René, c'est que c'est pas par Zoom. Si je suis le. Ah oui, non, mais si c'est en semaine, c'est Si c'est trop en semaine, compliqué. ça sera par Zoom. Ouais, c'est pas possible autrement en semaine. Le jeudi, le truc qu'on peut aussi voir, qu'on peut faire un peu plus tôt, le jeudi 8 juillet, moi j'aménage volontiers ma consultation pour le commencer un peu plus tôt, de manière à ce qu'il n'y ait pas, on finisse pas trop tard. Ça veut dire que je peux, à partir de 17 h, je pourrais m'arranger. Mais ça, c'est aussi un peu à vous de le dire de vive voix, si c'est quelque chose qui peut jouer le 8 juillet à partir de 17 h. C'est une bonne idée, dit Violaine dans le chat. Ouais. Que pensent les autres? Moi, ça me va. Ça me va. Marie a dit oui. Le pouce de Cliva est d'en haut. Marie aussi. Elle le Alexandre dit. aussi. Ouais. Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pouces levés là. Alors, est-ce que je confirmerai par mail? Mais on dit le jeudi 8 juillet, à partir de 17 h, je fais démarrer le Zoom à 17 h. On peut tous s'arranger? Alors, j'y vais comme ça. Alors, jeudi, ça serait la dernière, pardon, l'avant-dernière. Ah non, attends. Ah, mais attends, il y a un problème parce qu'on voulait faire l'apéritif ce jour-là. C'était pour ça que c'était en présentiel. Tu as raison, Véronique. C'est moi qui avais insisté pour que ce soit en présentiel. Alors, est-ce que le jeudi 8 juillet à 17 h, vous pouvez venir à Aigle pour prendre un apéro dînatoire? Ça joue pas? Il n'y a qu'une personne qui dit non, c'est Sandra. Les autres disent oui. Non, je ne peux pas. Pendant la semaine, pour moi, c'est impossible. Et encore moins les jeudis. Non, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'idée, c'était vraiment qu'on fasse l'apéritif. Et puis là, pour nous, ce n'est pas compliqué à organiser à Aigle. On fait venir un traiteur. Il y aura à la fin de la. C'est vrai, si on fait 17 h, 18, 19, 20, ça veut dire qu'à partir de 20 h, on peut manger quelque chose, boire un apéritif. Pour moi, c'est possible. Maintenant, il y aura peut-être des personnes qui ne pourront pas être là, quoi, ce que je trouve dommage. Oui, mais je pense qu'on va pas y arriver tous. Avec si on doit trouver une formule où on se voit plus tôt en semaine, alors c'est dommage effectivement pour Sandra, ou peut-être d'autres qui pourront pas. Mais de toute façon, il y aura Excuse-moi, le Zoom, donc c'est la possibilité que les gens participent en tout cas au cours, puis ma foi, enfin au cours, au séminaire. Alors, Et puis ma foi, effectivement, il a l'air l'apéro. interactif, Yann. Alors, il y aura de toute façon un Zoom parce que je veux qu'elle soit enregistrée pour que les personnes qui ne peuvent pas venir puissent avoir accès à la dernière leçon, à la dernière lecture. Mais les personnes qui ne pourront pas venir, bah, il n'y aura pas l'apéritif. C'est simplement ça. Mais de toute façon, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à satisfaire tout le monde. Mais en Pourquoi tout pas le 26 juin? Alors, j'ai pas compris pourquoi le samedi 26 juin, pourquoi ça a été abandonné, ça? moi, je peux pas. Ah, c'est toi, c'est Véronique? Véronique qui Oh, ne peut ok, pas. d'accord. Ouais. Parce que, comment dire. Ce qui est sûr, c'est que personne n'aura pas comment dire, la lecture. Ça, tout le monde l'aura puisqu'elle sera enregistrée. Ça, c'est certain. Et le 19 juin? Moi, j'ai Mais un séminaire aussi, c'est toute la ça, journée. Véronique, c'était tu avais donné toutes les dates à René, c'est ça? Le 19 Et les juin, nuits. il y a une présentation. Oui, mais c'est l'après-midi. Il y a une présentation des cahiers de la SRET l'après-midi. Mais René, ça veut dire que si vous vous réunissez à Aigle en jeudi, les personnes qui ne peuvent pas aller et se déplacer un jour de la semaine, on ne va pas participer à cette dernière lecture? Si. Ah, c'est ce Parce que je que comprends pas. non. Le séminaire de Ok. lecture sera de toute façon transmis par Zoom. Donc chacun pourra D'accord, parce participer par que ouais. Ok, j'avais compris que tu l'enregistrais et qu'après ça Il allait. sera enregistré, donc il sera en live et enregistré. Ok, Et c'est bon. simplement, c'est l'apéritif qui est prévu après. Il y aura peut-être des personnes qui ne peuvent pas venir.
Mais sinon, vous êtes évidemment tous invités. Si c'est le 8 juillet, on a quand même le temps de s'organiser d'ici là. Et le vendredi 2 juillet, René, votre réunion n'est pas déplaçable ? La réunion est difficilement déplacée. Il faut que je demande à Sandra parce qu'on rencontre, on est deux bureaux, le présent et le futur bureau. Et je ne sais pas, Sandra, qu'est-ce que tu dis ? Moi, je ne peux pas répondre pour les autres, sauf que je passe un sondage. On est 8 personnes, on doit zoomer avec 8. Enfin, je pense qu'on a quelques sens qu'on ne va pas avoir de problème. Et il y a une personne qui risque d'être un peu compliquée. Mais... Je peux demander Je demande, je vous tiens au courant, c'est comme ça. Alors, c'est plus simple. Tu peux demander et puis si on peut... qu'on se mette d'accord à une date. Voilà, tu peux demander pour le jeudi 1er juillet pour libérer le vendredi 2 juillet. Mais moi, tu ne veux pas, René, ça revient au même. On va faire une réunion avec les prochains bureaux sans moi. Je ne veux pas un jeudi 1er. Ah Oui. C'est un casse-tête. Désolée. Mais écoute, non, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire? On va pas résoudre ça. On peut garder la date de 2 juillet, si tu es d'accord. Moi, je pose la question aux personnes concernées. Dès que j'aurai les réponses, je te dis. Mais simplement pour nous, pour les bureaux, il faudrait que je puisse proposer une date. Concrète, je ne sais pas si les vendredis, non, la vendredi après, ça sera, je ne sais pas quoi, juillet. Moi, je suis encore en Suisse. Alors, essayons de ne pas perdre trop de temps. Alors, on va simplement, tu regardes pour le vendredi 2. Alors, nous, on bloquerait le 2 juillet pour la dernière séance en présentiel. Pour moi, ça va, ça. Et puis, on pourrait faire le vendredi 2, l'après-midi, ou on veut faire le soir? Oh, le soir. À partir de 17h, quand tu avais dit. À partir de 17h. Alors, je note le vendredi 2, dès 17h, présentiel. Ça ferait 17h, 18, 19, 20. On ferait jusqu'à 20h, on ferait 3h. Ça vous va? Vous pensez que c'est possible? Alors, OK, on y va comme ça. Pour l'instant, on y va comme ça. Vendredi 2, dès 17h. Et puis, Sandra, regarde pour déplacer le bureau. De toute façon, on sera en contact, Sandra. On regarde. Mais on doit, parce qu'on doit décider une autre date. Oui, on regardera. Mais moi, je vais déjà bloquer ce vendredi 2, parce que sinon, on n'y arrive pas. OK, je propose qu'on commence peut-être notre journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aurons les interventions, d'abord une introduction de Véronique et ensuite les interventions de Sandra Pax-Cisternas et de Nelson Feldman autour de la fin de la question numéro 4 et le début de la question numéro 5. Par rapport à la pause, on discutera au cours de route à quel moment on fait la pause, comme on avait fait un peu la dernière fois. Et je vais directement passer la parole à Véronique, si tu es d'accord. Je vous recommande encore, je vous rappelle d'éteindre vos micros, si vous voulez bien. Et puis on va laisser la parole à Véronique. Merci Véronique. Je te remercie René. Je pense qu'après la complexité de ces questions de date, la question 4 va nous paraître super simple. Je voudrais aussi profiter de ce petit moment d'introduction pour vous signaler que nous avons la chance, puisque nous sommes en plein sur Radiophonie, d'avoir dans les deux derniers numéros de La Cause du Désir des éclairages très très intéressants sur cette question 4, notamment dans le numéro 106, le texte d'Éric Laurent, La langue et le forçage de l'écriture, qui explique la page 426 d'une manière, je pense qu'on n'aurait jamais compris sans cette explication, donc j'en dirai quelques mots. Et le numéro 107 de La Cause du Désir qui vient de paraître, qui donc contient les deux cours de Jacques-Alain Miller de L'être et l'un, qui, sans vraiment commenter Radiophonie, disent des choses qui éclairent vraiment beaucoup la lecture de Radiophonie,
ainsi qu'un deuxième texte d'Éric Laurent qui prend un petit peu dit un petit peu les mêmes choses que dans le texte précédent, mais d'une autre manière, et qui nous fait comprendre la question de la lettre et de l'écriture de manière tout à fait intéressante pour le travail que nous sommes en train de faire, de déchiffrage que nous sommes en train de faire. La lecture de ces deux numéros m'ayant vraiment conforté dans l'idée que le texte de radiophonie est vraiment un point de franchissement dans l'enseignement de Lacan, et que nous nous y acharnons, enfin nous nous engageons avec ce texte dans un corps à corps donc, qui dure une année, mais je pense que c'est vraiment à bon escient. Alors pour l'organisation de cette matinée de travail, en effet, nous avons les interventions de Nelson et de Sandra, je pense plutôt dans cet ordre-là, puisque Nelson va nous parler de la référence à Marx, et Sandra a décidé de se concentrer sur le dépliement d'une phrase très très donc condensée de la réponse à la question 4, puisque c'est la phrase « L'inconscient, on le voit, n'est que terme métaphorique à désigner le savoir qui ne se soutient qu'à se présenter comme impossible pour que de ça il se confirme d'être réel, entendez discours réel ». Donc c'est à la page 425 et Sandra s'est proposée pour nous dire un petit peu ce qu'elle a pu comprendre de cette phrase qui en effet elle l'a fort bien choisie puisque c'est la phrase qui constitue la réponse à la question 4 et donc il est vraiment important de saisir ce qui s'y passe, quel en est l'enjeu. Pour ma part, je vais reprendre le fil de là où nous en étions, c'est-à-dire reprendre un petit peu les enjeux du début de la question 4 que Dominique nous a déchiffré de manière détaillée avec les références un petit peu sous-jacentes que Lacan place ici et là dans le texte. Et nous nous étions arrêtés, je vous rappelle, au moment où le texte de la réponse de Lacan passe d'une lecture épistémologique à la question politique et le nouage entre Marx et Freud. Donc ça nous amène vraiment à nous demander pourquoi. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la question 4, hein, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir tout en tête. Donc la question 4, c'est: vous dites que la découverte de l'inconscient aboutit à une seconde révolution copernicienne. En quoi l'inconscient est-il une notion clé qui subvertit toute théorie de la connaissance? Donc on voit que la question de Georgin contient deux éléments. Le premier élément, c'est la question de la révolution, la comparaison entre la découverte de l'inconscient et la révolution copernicienne. Donc Lacan répond sur le versant de l'épistémologie à la première partie de la question, et ensuite, deuxième partie de la question, sur l'inconscient comme notion clé qui subvertit toute théorie de la connaissance. Donc la première partie que Dominique nous a présentée, ça va répondre à ce que c'est qu'une révolution, et avec une précision par Lacan sur le statut de cette révolution. Je vais en dire quelques mots. Et ensuite, on va virer sur une redéfinition du concept de l'inconscient avec des avancées tout à fait importantes à partir de Marx et d'autres éléments que nous verrons ensemble. Alors, comme je l'ai indiqué, je ne vais pas reprendre le travail qui a été fait la dernière fois, mais je voudrais juste extraire l'axe de ce qui s'y déplie. Ce que je voudrais tout d'abord souligner, c'est l'appui constant que Lacan prend sur l'épistémologie d'Alexandre Coiré dans les années 60, et notamment sur les conférences publiées en anglais en 57, puis en français en 62, sous le titre « Du monde clos à l'univers infini ». Pourquoi est-ce que ce sont le titre en lui-même indique déjà ce que Lacan vient chercher chez Coiré, du monde clos à l'univers infini, et je vais donner quelques éléments pour ramasser cette première partie de la réponse à la question 4.
En effet, ces conférences de Quaré, elles ont été présentées au Japon, ces conférences de Quaré ont pour objet l'étude de ce qu'il appelle la révolution spirituelle très profonde qui s'opère au XVIe et XVIIe siècle dans la pensée occidentale et dont la science moderne est le fruit. En effet, pour Lacan, c'est cette révolution, plutôt que les révolutions politiques, qui a changé radicalement le monde des êtres parlants. En effet, le Yadelin de Lacan, donc, qui est déplié dans le numéro 107 de La cause du désir, va venir, je pense, écrire l'effet de cette révolution, à savoir que désormais, après ce moment révolutionnaire, le réel de l'homme portera de manière irréversible la marque du signifiant en tant qu'il est décorrélé de toute imaginarisation possible du monde à partir de la perception ou de la représentation. Ça, c'est vraiment la révolution très profonde dont la science moderne est le fruit. Et je vous explicite cette révolution avec un extrait de l'avant-propos du livre de Quaré, cette révolution étant ensuite étudiée pas à pas dans le reste des conférences. Alors je vous lis un extrait un petit peu long, mais je pense qu'il va bien illuminer l'appui que Lacan prend chez l'épistémologue. Alors cette révolution, dit Quaré, il s'agit d'un processus plus profond et plus grave en vertu duquel l'homme a perdu sa place dans le monde, ou plus exactement peut-être, a perdu le monde même qui formait le cadre de son existence et l'objet de son savoir. Donc c'est la fin du monde et l'entrée dans le réel pour Lacan, si vous voulez. Ces changements, poursuit Quaré, me semble pouvoir être ramené à deux éléments principaux, d'ailleurs étroitement liés entre eux, à savoir la destruction du cosmos et la géométrisation de l'espace, c'est-à-dire, petit a, la destruction du monde conçu comme un tout fini et bien ordonné, dans lequel la structure spatiale incarnait une hiérarchie de valeurs et de perfections, monde dans lequel, au-dessus de la terre lourde et opaque, centre de la région sublunaire du changement et de la corruption, s'élevaient les sphères célestes des astres impondérables, incorruptibles et lumineux, et la substitution à ce monde d'un univers indéfini et même infini, ne comportant plus aucune hiérarchie naturelle et unie seulement par l'identité des lois qui le régissent dans toutes ses parties, ainsi que par ses composantes ultimes, placées tous au même niveau ontologique, donc ça c'est le petit a, et petit b, le remplacement de la conception aristotélicienne de l'espace, ensemble différencié de lieux intramondains, par celle de l'espace de la géométrie euclidienne, extension homogène et nécessairement infinie, désormais considéré comme identique en sa structure avec l'espace réel de l'univers. Donc voilà la révolution que nous présente Alexandre, révolution donc de la pensée, c'est-à-dire on passe d'un monde imaginarisable et représentable à un monde qui ne s'aborde que comme impossible à penser. René, il faut que tu mettes ton micro. Véronique, est-ce que tu me permets juste de faire une parenthèse là, parce que je trouve que ce que tu dis et ce que tu cites de Quaré résonne parfaitement avec la référence que tu as donnée tout à l'heure du numéro 107 et du texte d'Éric Laurent. Je cite juste trois phrases pour vous le montrer par rapport à ce basculement pour Lacan. La vision du ruissellement de l'un, selon Lacan, est celle de la lettre qui vient s'ajouter au monde en le dérangeant. En
toute chose du monde est de la langue, Lacan voit l'irrégularité, l'équivoque. Je crois que ça résonne parfaitement avec cet extrait que tu donnes. Il n'y a rien qui est déjà là avant, mais et je crois que c'est vraiment un déplacement complet du regard sur le monde. Je m'arrête là. C'est très important, en effet. On peut reprendre cette petite, parce que il est très ennuyeux d'en entendre toutes ces compréhensions du réel comme un préconceptuel, comme un quelque chose de donné par la nature, etc. Et on voit très très bien dans ces numéros Miller et Éric Laurent qui viennent vraiment à montrer ce que c'est que le réel pour la psychanalyse. C'est un réel issu du signifiant, effet du signifiant. C'est pas du tout un réel préconceptuel, une essence pré-linguistique, pré-langagière, pas du tout. On a la page 18 par exemple, donc du numéro 107 dans le texte de Miller. L'existence de Lacan résulte du crible auquel la logique soumet des êtres de langage pour y reconnaître le réel et le séparer du semblant. Elle dépend et se déprend d'une opération signifiante. On voit bien que ce que Coiré identifie et que Lacan reprend pour la psychanalyse, c'est qu'on n'habite plus donc dans le monde de la nature, mais dans un univers dans lequel l'homme est dévoré par le signifiant. Enfin, c'est quelque chose d'inéluctable et l'homme se retrouve avec cette impossible à penser, ce réel comme impossible à penser, et qui doit donc être mis en loi. Et c'est pour ça que Lacan va nous dire dans Radiophonie que la logique est la science du réel. Il n'est plus possible de penser, d'imaginer, d'aprioriser, de... Voilà, et donc je continue avec ma petite introduction. Suite à cette révolution scientifique, donc, puisque deux révolutions en jeu pour Lacan dans cette réponse à la question, la scientifique et la politique. Donc, suite à cette révolution scientifique, il faut substituer le réel au monde. Donc, c'est la leçon que nous donne Lacan. Ce réel s'abordant par la structure, ça on l'a répété de multiples façons depuis le début de ce séminaire. Dans la question 4, dans un premier temps, donc Lacan s'appuie sur l'abord scientifique du réel pour amener la psychanalyse hors des eaux de l'imaginarisation oedipienne où Freud l'avait amené. Alors cet appui pris sur la révolution scientifique, on la trouve notamment à la page 422. Je reprends juste quelques petits éléments de ce qu'a commenté Dominique. Ici gît le pas de Galilée, nous dit Lacan par exemple. Le vrai pas de Galilée, ce n'est pas que la Terre tourne autour du Soleil, mais ce qui l'a amené de la gravitation, dont va s'éclairer cette éclipse, dit Lacan, ce que Newton pourra enfin mettre en forme. La loi de Newton sur l'attraction et la chute des corps, l'idée d'un champ de gravitation, résiste à l'idéal de l'unification du champ, soit, nous dit Lacan à la page 423, au remontage d'un monde. Donc c'est ça les avancées scientifiques, c'est le monde qui se défait et la science qui s'oppose à ce qu'il soit, qu'il y ait un remontage d'un monde fini, unifié, représentable, etc. Donc ces avancées scientifiques illustrent la définition de la structure par Lacan. Tous les éléments agissent les uns sur les autres sans que rien n'y joue le rôle d'un médium à transmettre cette force. C'est la traduction lacanienne de l'infinitisation de l'univers, effet de la science moderne. Voilà. C'est ce que Coiré caractérise dans les dernières lignes de son ouvrage par cette phrase que je ne résiste pas à vous lire, elle est très belle. L'univers infini de la nouvelle cosmologie, infini dans la durée comme dans l'étendue, donc le temps comme l'espace, dans lequel la matière éternelle
selon des lois éternelles et nécessaires, se meut sans fin et sans dessein. C'est ça qui est important, il n'y a pas de finalité. Dans un espace éternel, donc cet univers infini, Quaré nous dit, avait hérité de tous les attributs ontologiques de la divinité, mais de ceux-ci seulement. Quant aux autres, Dieu, en partant du monde, les emporta avec lui. Donc, phrase très poétique de Quaré, pour résumer donc, ce qu'il avait appelé dans sa préface la très profonde révolution spirituelle, donc condition de possibilité de la science moderne, et elle-même condition de possibilité pour nous du réel comme impossible à penser, qui va amener une nouvelle définition de l'inconscient. Ce réel comme impossible à penser, je vous rappelle juste qu'on trouve ça à la page 423 des autres écrits, quand Lacan nous dit « Posons que la charte de la structure, c'est l'hypothèse non-fingo de Newton. » Donc c'est Newton qui nous dit « Je n'avance pas d'hypothèse », ce qui veut dire « Je n'imagine rien a priori, je n'avance pas d'hypothèse ». Ça, c'est bien la démonstration que pour la science, le réel est impossible à penser à partir de l'imaginaire. Et c'est pour ça que Lacan nous dit que, ensuite, sa référence au lemme à l'unissant, à la page 423, là, que c'est le produit de la formule, mais que ce n'est pas le produit de l'imagination. Et ça va nous servir de modèle pour la psychanalyse, puisqu'on a ensuite cette idée, donc à toujours à la page 423, donc l'effet d'acte qui se produit comme déchet d'une symbolisation correcte, comme seul levier contre les conceptions selon lesquelles l'âme c'est la connaissance que le monde a de soi-même, etc., avec la chose en soi de Kant. Donc l'idée c'est qu'on ne peut rien fonder sur la perception, l'expérience sensible, et on ne peut que fonder quelque chose sur la structure qui va produire donc un déchet, ce déchet étant donc dans la psychanalyse le sujet réduit à son plus de jouir, ou à la connaissance qu'il peut avoir de son plus de jouir. Voilà, c'est ce qui nous rappelle la fin de la question 2, la dernière ligne, où Lacan dit, je vous l'avais souligné, quand on reconnaîtra la sorte de plus de jouir qui fait dire ça c'est quelqu'un, on sera sur la voie d'une matière dialectique plus active que la chair à partie, employée comme babysitter de l'histoire. Cette voie, le psychanalyste pourrait l'éclairer de sa passe. Donc voilà, ça c'est Lacan qui conçoit le dispositif analytique comme la symbolisation correcte qui produira le déchet qu'est l'être parlant réduit à son plus de jouir sur lequel il pourra se repérer lui-même. J'aimerais aussi rajouter que 70, c'est donc 3 ans après la proposition de Lacan sur le psychanalyste de l'école et la passe, qui donc avait été un échec dans ses premiers temps. Et donc c'est Lacan ramène ici cette idée que quand même sa passe, son invention de la passe, c'est ce qui pourrait quand même nous dire quelque chose sur ce qu'est le psychanalyste. Et donc il ramène sur le tapis cette question-là avec d'autres éléments. Voilà, je dirais, si j'en ai l'occasion, après les interventions de Nelson et de Sandra, plus sur la position de l'analyste, mais rappelons-nous que peut-être, je m'appuie sur ce que Miller dit dans Le banquet des analystes ici, quand à la question de qu'est-ce que c'est que la psychanalyse, donc Miller dit la psychanalyse, c'est ce que fait un psychanalyste. C'est-à-dire, c'est pas la définition est inversée. Je veux dire, le médecin pratique la médecine, mais la psychanalyse, c'est ce que fait le psychanalyste. Et donc, il est important de savoir ce qu'est le psychanalyste
Et le psychanalyste, c'est le produit d'une symbolisation correcte. Et le dispositif de la passe vise à vérifier que la symbolisation est correcte. Et que c'est ça qui va permettre à l'analyste, donc je ne résiste pas à donner en cette petite pierre de touche, puisqu'on y reviendra, mais à la page 427 de Radiophonie, Lacan nous dit « Je tiens ici à marquer que quelqu'un ne s'y assoit que de la façon qu'il y impose au vrai ». Donc c'est ça, ça fait vraiment une référence, c'est vraiment une référence au psychanalyste, puisqu'il travaille assis. Donc l'enjeu de Lacan, enfin, les enjeux de Lacan sont vraiment multiples dans ce texte. Si vous voulez, en même temps intervenir dans l'institution analytique, la formation de l'analyste, remettre la passe au goût du jour, modifier la conception de l'inconscient, entériner une fois pour toutes la dénaturation irréversible avec laquelle l'être humain a affaire. Il y a énormément de choses qui se jouent dans ce texte. Et voilà. Donc voilà, pour reprendre sur la question de la révolution épistémologique, est-ce qu'on peut en tirer. Et ensuite, donc on arrive là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire à la fameuse page 424, que seule la structure soit propice à l'émergence du réel où se promeuvent neuf révolutions. Alors ça, c'est Lacan qui ramasse tout ce qu'il vient de dire sur la révolution scientifique. D'accord ? Donc, la révolution scientifique, c'est en effet neuf révolutions, puisque c'est la structure scientifique qui produit des objets non imaginables. Et alors là, il va maintenant faire le lien avec la révolution qu'il écrit cette fois-ci avec un grand R. Ça atteste de la révolution de quelques grands R que la française l'ait pourvue. Voilà, et ensuite, Lacan nous dit que la révolution française n'est une vraie révolution que parce qu'il y a eu Marx et Freud. C'est là, si vous voulez, cette longue liste, elle se fait réduite à ce qu'elle est pour Bonaparte comme pour Chateaubriand, c'est-à-dire opportunisme, utilitarisme, retour au maître qui a l'art de les rendre utiles, voilà, l'essai de Chateaubriand sur l'utilité de la révolution pour que Napoléon ait pu prendre la place du roi. Le temps passant à ce qu'elle est pour l'historien Fourdine de ce nom de Tocqueville, shaker à faire dégradation des idéologies de l'ancien régime, c'est-à-dire ce que Tocqueville nous dit, c'est que la révolution n'a servi qu'à débarrasser la France d'idéologies dépassées et encombrantes, mais que sa structure demeure centralisée et autoritaire, unifiée, donc c'est pas vraiment un vrai changement. Voilà, et ensuite, ce que Lacan continue, est-ce que les hommes d'intelligence n'y entendent pas plus qu'une folie dont s'extasier Ampère ou à camisoler Taine, à ce qui en reste pour le lecteur présent d'une débauche rhétorique peu propre à le faire respecter. Donc en gros, ça veut dire que la révolution, pour Lacan, elle est utile au maître, c'est-à-dire qu'il s'en sert pour reprendre un pouvoir encore plus fort, hein, comme on le voit bien dans la plupart des pays qui ont le malheur de connaître des révolutions comme le printemps arabe ou d'autres lieux récents. La révolution est utile au maître ou elle est futile. C'est-à-dire du côté de la folie, une folie à s'extasier. Donc en résumé, ce que dit Lacan dans ce paragraphe, la révolution a une utilité, mais elle contient un reste, elle contenait en tout cas la Révolution française, un reste énigmatique qui avait été mis au compte d'une folie, d'un noyau hors sens, et c'est Marx, Lacan continue, qui donne sa vraie place à la Révolution avec la phrase « Il en serait ainsi si Marx ne l'avait replacé de la structure qu'il en formule dans un discours du capitaliste ». Mais de ce qu'elle est fort que la plus-value dont il motive ce discours. Donc c'est Marx, lui, qui vient déchiffrer
non pas le sens de la révolution, mais sa structure. Et c'est ce qui fait que cette révolution continue à avoir des effets au-delà de la révolution même, puisque c'est ce qu'on a avec la phrase, c'est de l'inconscient et du symptôme qu'il prétend proroger la grande révolution, c'est-à-dire continuer à lui donner des effets au-delà de l'événement lui-même. Donc c'est parce que Marx resitue la révolution de sa structure qu'elle continue à avoir des effets au-delà de l'événement qui font qu'elle n'est pas simplement utile ou futile. Et cette interprétation de Marx doit elle-même être complétée de celle de Freud pour donner les effets que nous connaissons. Alors je vais pas peut-être en dire plus pour le moment, puisque je voudrais laisser la parole à Nelson, mais simplement pour montrer cette... Je voulais vraiment reprendre la structure du texte, donc la révolution scientifique avec la révélation du réel comme impossible à penser, seule vraie révolution, et ensuite Lacan se sert de ce modèle-là pour dire ce qui fait vraiment révolution dans la Révolution française, c'est ce que Marx puis Freud ont pu révéler de la structure, que Lacan va ensuite développer plus avant. Donc Nelson, tu me dis, est-ce que c'est un bon point pour ton intervention maintenant? Oui, c'est parfait. Au contraire, tu laisses à la page justement où il y a cette référence à Marx. Et merci en tout cas pour cette possibilité d'intervenir. Je me suis appuyé sur quelques textes. Bon, bien sûr, la biophonie que j'essayais de lire, comme on le fait dans cet atelier, avec beaucoup d'attention. Et puis, il y a aussi quelques textes qui m'ont éclairé. Il y a un autre texte de Lacan, enfin, le séminaire 16, d'un autre à l'autre, où il y a justement le premier chapitre de la plus-value au plus des jouirs, son cours de 13 novembre 68. Qui est très éclairant par rapport à la question aussi de la plus-value et les liens avec les plus des juifs. Il y a aussi un texte de Miller sur les 6 paradigmes de la jouissance, hein, ou au 5e paradigme, il parle en détail du plus des juifs. Et puis il y a justement René parler des conférences qui sont mises en place par Mela King. Il y a une conférence d'Hervé Castanet sur les plus des juifs, qui est accessible sur YouTube, et qui est très, très éclairante aussi sur les plus des juifs. Et puis voilà, donc d'autres références aussi. Mais... Alors par rapport à Marx, hein, c'est... Donc Marx, Lacan, il reprend Marx à plusieurs reprises dans Radiophonie. La citation dont vient de parler Véronique. Et puis un peu plus tard, à la page 434, 435, Marx, il est cité 6 fois, donc on voit que pour Lacan, c'est une référence incontournable pour travailler la question du plus des juifs, en lien avec la plus-value. Nelson, si je peux juste me permettre, oui. C'est quelque chose auquel il a à répondre par rapport au contexte politique. Voilà, oui, parce qu'on est dans les années 70, hein, donc cette référence à Marx est très importante dans les années 70. Oui. Voilà, donc Marx, il dévoile le capitalisme avec les fondements économiques et idéologiques qui les sous-tendent. Et à travers Marx, c'est la question du discours du capitalisme, hein, qui est du capitaliste, qui est directement abordé. Mais il ne se contente pas, Marx, de dévoiler, de dénoncer, mais il propose aussi un modèle de fonctionnement social, économique et politique à partir de la doctrine marxiste. C'est ce que Lacan a dit dans cette page 424. On t'entend, je ne sais pas si c'est juste moi, mais on t'entend pas très bien. Vous ne m'entendez pas très bien? Je vais m'approcher du micro, ça va mieux? Oui, parce que ça, okay. ça s'éloigne, donc il y en a la peine. Ah d'accord, ok. Alors, je dois m'approcher de la caméra, vous allez voir une grosse tête, excusez-moi. Voilà,
Donc, je disais, Marx, il dévoile le discours du capitaliste, mais il ne se contente pas de dévoiler, d'énoncer, mais il propose un modèle des fonctionnements sociaux, économiques et politiques à partir de sa doctrine. Et puis, c'est Lénine, en fait, qui, comme le dit Lacan, passe à l'acte à partir de la doctrine de Marx. Alors, il y a cette question de la plus-value. Hein. C'est quoi la plus-value? La plus-value est la valeur du sur-travail, c'est-à-dire le travail non payé accompli par les travailleurs pour les capitalistes, ce qui est la base de l'accumulation du capital. Donc, Marx, il reprend la théorie des valeurs des économistes classiques, Adam Smith, Proudhon, selon lesquels la source de la valeur d'échange d'une marchandise est le travail qui est incorporé. Donc, il y a cette question de la fonction du marché que Marx dévoile. Je vais même lire un petit extrait de lui-même, de Marx, un chapitre qui s'appelle « Le travail comme marchandise hein, », dans un texte de Marx est publié à Gallimard. Si on demande à des travailleurs « Combien gagnez-vous ?», ils vont répondre « Mon bourgeois me donne 1 franc ou 2 francs ». Les salaires et la somme d'argent que les bourgeois leur versent pour un temps de travail donné, pour un certain travail fourni. Les bourgeois achètent leur travail avec de l'argent. Donc, il y a les capitalistes achètent pour son usage la part du travailleur dans la marchandise qu'il produit. Mais il y a un surplus, il y a une partie de ce travail qui n'est pas payée et qui participe à la production de la marchandise et à sa valeur. Et c'est ce surplus non payé qui est la plus-value. Donc, le travail est moyen d'une nouvelle production, le travail cumulé et du capital. Bon, Marx, il était aussi historien, il était économiste, il était philosophe. Donc, dans ses textes, il étudie aussi d'autres périodes de l'histoire. Donc, il parle beaucoup de l'esclavage, d'ailleurs, pour opposer l'esclavage au capitalisme. Parce que dans l'esclavage, ce n'est pas les salaires qui est payé, c'est l'esclave, il est propriétaire de son maître. Donc, les maîtres achètent directement. Voilà. On a perdu Nelson. Il a disparu. Voilà. Nous avons perdu Nelson. Oh. Voilà, on t'avait perdu. Oh. On ne t'entend pas, là. Mais je ne le vois pas non plus. Ah, moi, il est... Il est, ah il est... oui, il est là, mais on ne t'entend pas. Tu es visible, mais voilà, tu te connectes audio. C'est bon. Tu nous entends, Nelson? Là, on t'entend, Nelson. Ah, d'accord. C'est bon. C'est OK. Vous voyez aussi. Bon. Je parlais de l'esclavage. Hein. Vous avez entendu la partie de l'esclave sur l'esclavage ou pas? Oui. D'accord. L'esclave est vendu à son maître. Voilà. Alors, quel est le point pour lesquels aussi Lacan reprend Marx, c'est justement Lacan présente ces deux notions, la plus-value et le plus de jouir, comme homologues. Il fait dans ses séminaires d'un autre à l'autre, hein, dans le chapitre 1 sur de la plus-value au plus de jouir, il fait référence à l'importance de la plus-value dans les discours et la question de l'absolutisation du marché. Et c'est impossible de séparer la plus-value d'un effet de langage.
Le travail non payé, c'est la plus-value. La plus-value résulte de la logique capitaliste et est le fruit des moyens d'articulation qui constituent les discours capitalistes. Ensuite, il y a la question de la frustration du travailleur, qui amène à une revendication et qui peut même, en certains contextes, amener à une situation de révolution. Le mot de révolution, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup aussi dans ces chapitres de radiophonie, avec une position de Lacan aussi à plusieurs reprises où il fait référence que cette révolution va amener l'apparition d'un nouveau maître. Et je pense que ça touche ce que tu disais, Véronique, par rapport au communisme qui s'est vu dans la plupart des pays de l'Est, avec un maître absolu qui remplace le maître capitaliste. Donc, que Lacan, il annonce déjà et dans Radiophonie à plusieurs reprises, cette, entre guillemets, illusion de la révolution. C'est la scène qu'on voit aussi dans la conférence à Louvain, où il y a un étudiant qui asperge des crèmes Lacan, un étudiant marxiste et probablement pas très bien dans ses baskets aussi, et que Lacan écoute très attentivement sans appeler à la sécurité, comme au Securitas, comme ça serait arrivé actuellement dans les universités. Mais Lacan l'écoute très attentivement et lui dit voilà, qu'il va, il va avoir un nouveau maître avec cette recherche de révolution marxiste comme seul idéal. Mais bon, on va revenir maintenant à la question de du plus de jouir, parce que c'est ça qui intéresse Lacan dans la notion de plus-value, pour introduire ce concept fondamental qui est le plus de jouir. Hein. Et voilà, la fonction du plus de jouir, qui va venir aussi dans ce texte des radiophonies, un petit peu plus tard, dans ces autres pages que j'ai citées avant, dans la page 434 et 435, la fonction du plus de jouir apparaît par le fait du discours, dit Lacan. Elle démontre, dans la renonciation à la jouissance, un effet du discours. Je reprends encore Lacan. Le plus de jouir tient à l'énonciation. Il est produit par le discours. Autour du plus de jouir se joue la production d'un objet essentiel, l'objet petit a. Donc, ça, c'est l'articulation essentielle du plus de jouir avec l'objet petit a. Et justement, dans ces textes de Miller, ces cours de Miller, hein, sur les six paradigmes de la jouissance, dans les paradigmes 5, la jouissance discursive, Miller reprend radiophonie et reprend la question de la jouissance comme plus de jouir, c'est ce qu'il dit Miller, c'est-à-dire comme ce qui comble, maintient le manque à jouir. Et la liste d'objets petit a s'amplifie. La notion de plus de jouir chez Lacan a pour fonction d'étendre les registres des objets petit a au-delà des objets naturels et de les étendre à tous les objets de l'industrie, les objets de la culture, les objets de la sublimation, c'est-à-dire tout ce qui peut combler le moins fi. Et là, Miller, dans cette partie de son cours, il s'appuie aussi sur radiophonie. Donc on voit aussi comment radiophonie est une référence essentielle, hein, dans l'enseignement de Lacan, et comment Miller aussi les reprend. Et bon, et après, une toute dernière chose, c'est qui apparaît aussi
C'est la question du marché des savoirs, dont Lacan parle aussi. Parce que bon, il y a Marx, il a mis en avant la question du marché qui régule les rapports sociaux, les rapports de travail, les rapports économiques. Et Lacan reprend la question du marché du savoir, ou des savoirs. C'est quelque chose dont il parle en radiophonie. Il dit, les savoirs, dit Lacan, hein, d'un autre à l'autre, les savoirs n'ont rien à faire avec le travail. Mais il faut qu'il y ait un marché du savoir. Il faut que les savoirs deviennent une marchandise. Donc, il y a la question de la marchandisation du savoir. Et c'est là aussi où il y a toute une critique de Lacan aux universités et à l'orientation. Je pense que les universités commencent déjà à prendre dans les années 70, hein, qui est le contexte des radiophonies. Et Lacan dit, la science réduit tous les savoirs à un marché unique, avec une homogénéisation des savoirs sur les marchés. Voilà, je trouve que c'est aussi un point assez intéressant, cette question des marchés de savoirs. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est là quand va revenir. Je suis entièrement d'accord avec toi, Nelson. C'est vraiment frappant aujourd'hui où on force tous les êtres humains à se charger de diplômes absolument abscons et inutiles, en les faisant payer des sommes absolument improbables, qui les endettent pour les années à venir. Ça a commencé évidemment aux États-Unis, mais c'est un mouvement qui se développe de plus en plus donc dans tous les pays dits occidentaux, même s'ils sont plus seulement à l'ouest. Et oui, on voit également aussi des choses qui sont très actuelles, comme le discours du capitaliste est toujours très actuel, même dans l'État et dans les institutions publiques. Les discours économicistes qui prévaloient dans les hôpitaux, avec la pression sur les soignants pour facturer, pour leur dire, voilà, si vous facturez pas tant, l'unité va fermer, vos postes de travail vont disparaître. C'est des arguments que tout le monde entend et souvent acceptent, voilà, comme si ces profits doivent aussi, même l'État aussi doit fournir des bénéfices à son maître administrateur ou son conseiller d'État de la santé ou de l'économie. Donc on voit que c'est des concepts qui sont très opérants. On ne parle pas seulement des années 70 ou du communisme de Tito ou le communisme de Jaruzelski. Voilà, on parle aussi des discours du capitaliste, puis la plus-value, c'est des choses qui entrent en ligne des comptes. Mais c'est très alors, intéressant. Alors, ce que Lacan essaye de faire en s'appuyant sur Marx, c'est quand même de trouver un moyen pour que le sujet du discours contemporain du discours capitaliste puisse se désaliéner de cette chasse au comblement du manque à jouir. C'est ce que, dans le numéro de La cause du désir sur le capitalisme, oui. C'était quoi, numéro 105 ou... Oui, justement, il y a un texte de Fabian Feinwax aussi qui est très très intéressant, c'est l'introduction à ces numéros. Il y a un texte excellent aussi de Fabian, que je n'ai pas cité, mais que j'ai lu aussi très attentivement. Donc c'est un numéro très, très intéressant aussi. Voilà, c'était un peu le... C'est-à-dire que quand même Lacan a repéré l'impasse subjective dans laquelle se trouve le sujet du discours capitaliste et qu'il essaye de poser des jalons pour s'en sortir. Il y a pour ma part le très beau témoignage de Clotilde Le Guil dans ce numéro de La cause du désir où... elle montre en effet qu'avec une analyse, elle appelle son texte, je crois, « Prendre le risque de la perte ». C'est-à-dire perdre ce qu'on a déjà perdu,
Puisque finalement, avec le capitalisme, c'est le refus de perdre ce qu'on a déjà perdu. C'est un peu l'impasse infernale du sujet du discours capitaliste. Véronique, peut-être là on peut comprendre donc la première phrase, parce que pour moi c'était pas du tout clair pourquoi elle dit « mais de ceux qu'elle est fort que la plus-value ». Parce qu'elle commençait à parler de Marx, et je me dis mais comment ça, il a fort que la plus-value si c'est lui qui l'a découverte. Mais le « elle », je crois que c'est en effet référé au discours du capitaliste, oui. Où il y a plus de… Ben, on veut combler le manque, donc le plus de jouir, et c'est dans ce sens-là, donc le « elle » de ce qui est fort que se réfère au discours du capitaliste, je crois. Si tu as fini, Nelson, en effet, je veux bien revenir sur une lecture plus précise de ce paragraphe. Oui, j'ai fini. Parce que j'ai fait une recherche assez poussée dans les cours de Jacques-Alain Miller, et j'ai eu la chance de tomber sur un commentaire qu'Éric Laurent faisait de ce paragraphe, qui est quand même pas très très simple à comprendre. Donc je peux vous donner quelques éléments que j'ai récupérés de ce que nous dit Éric Laurent, puisqu'on a donc des choses assez mystérieuses, en effet, comme le souligne Dominique, de ce qu'elle est fort clos la plus-value, la question du prorogé, la conscience de classe, le passage à l'acte, la régression. Là, on a quand même Lacan en un paragraphe qui interprète la révolution communiste, c'est-à-dire première partie du paragraphe sa théorie, deuxième partie du paragraphe sa pratique. Et c'est quand même assez intéressant de s'attacher un petit peu plus à ce que Lacan nous dit ici. Donc si on en effet cette première phrase, il en serait ainsi, c'est-à-dire la révolution française serait restée vaine si Marx ne l'avait replacé de la structure, qu'il en formule dans un discours du capitaliste, mais de ce qu'elle est fort clos la plus-value dont il motive ce discours. Donc, en effet, c'est la plus-value qui n'avait pas sa place dans ce que disaient les capitalistes, mais c'est Marx qui la nomme. Marx nomme la plus-value comme ce qui motive le discours du capitaliste. Comme Nelson nous a expliqué, c'est la part du surtravail, c'est-à-dire ce que le travailleur perd et qui nourrit le capital, l'accumulation du capital. Donc c'est en effet, c'est Marx qui nomme ce qui avait été fort clos du discours du capitaliste. Et là, on voit, ça c'est pas Éric Laurent qui le dit, c'est moi, je tiens à dire que Lacan, en proposant son concept de plus de jouir, veut opérer un mouvement analogue à celui de Marx, c'est-à-dire nommer ce qui motive les discours, ce qui anime tous les discours. C'est ce qu'il a mis en forme avec les quatre discours du séminaire 17. Ce qui anime un discours, c'est le plus de jouir qu'on en retire. Et donc je pense qu'il se modèle sur Marx, et en ramenant donc quelque chose qui est fort clos, c'est-à-dire dont on ne sait pas que ça opère, mais qui opère, donc, en le nommant, approcher une symbolisation correcte de la structure. C'est ce que Lacan essaye de faire. Et pour ça, il s'appuie sur ce que fait Marx avec la plus-value. Donc, tu as noté l'homologie plus-value, plus de jouir, en effet. Non seulement au niveau du concept, mais également au niveau de l'opération que Lacan essaye de faire, avec cette idée de précipiter. Bon, ça nous rappelle l'expression effet de cristal. Hein. Vous vous rappelez, au début, on a vu... si on ajoute un élément supplémentaire dans une solution, la solution se cristallise selon des lignes de fracture. Donc c'est l'idée d'ajouter un nouveau signifiant qui va cristalliser la structure discursive d'une époque d'une nouvelle manière.
Donc, ce que Marx fait avec plus-value, c'est vrai qu'une fois qu'il y a plus-value, tout change. Lacan espère qu'une fois qu'il y a plus de jouir, tout change. Donc ça, c'est vraiment l'idée de, comment dire, du signifiant qui opère dans le réel impossible à penser. On met un signifiant et ça aura des effets. C'est pas, on n'imagine pas ce que devrait être le monde, mais on ajoute quelque chose et ensuite on en déplie les lois, les effets et ainsi de suite. Oui, c'est vrai que Lacan, il répare cet effet du discours de la plus-value de Marx et son entrée dans les discours courants. Et d'ailleurs, même, par exemple, Lénine dit « La théorie de la plus-value constitue la pierre angulaire de la théorie économique de Marx. » Donc, voilà, donc, ça rentre dans le discours et voilà, il y a cet effet qui est relevé, quoi. Et c'est tout à fait, en effet, important cette citation de Lénine, puisque cette phrase-là, c'est de la plus-value découverte qu'il précipite la conscience dite de classe. Ça montre bien, en effet, le côté essentiel de la plus-value, puisque, ça c'est Éric Laurent qui le dit, la conscience de classe, c'est une nouvelle forme de subjectivité dont le symptôme est la conscience de classe, c'est-à-dire la revendication d'une jouissance perdue. Donc non seulement il y a la jouissance, il y a la plus-value et la conscience de classe qui est la subjectivité qui réclame la récupération de la jouissance perdue. C'est pour ça que Lacan nous dit, c'est de l'inconscient et du symptôme qu'il prétend proroger la grande révolution, proroger, donc, qui veut dire extension des droits au-delà de la limite reconnue, c'est un terme juridique, ça veut dire que le mode de subjectivité de la Révolution française continue à exister comme figure du sujet qui s'articule, nous dit Éric Laurent, à un savoir sur la jouissance comme un objet à jamais perdu. Donc là, on a quelque chose qui nous permet de comprendre cette logique que Lacan déplie ici. Donc, Marx amène ce concept et c'est de l'inconscient et du symptôme qu'il prétend proroger la grande révolution. Ça veut dire que on a l'apparition donc d'une revendication sur la jouissance et d'une forme symptomatique de subjectivité qui est la conscience de classe. Ça, c'est vraiment l'effet subjectif de la Révolution française qui perdure au-delà de l'événement. Après, on a la question, la phrase sur Lénine, « Lénine passant à l'acte n'en obtient rien de plus de ce qu'on appelle régression dans la psychanalyse, soit les temps d'un discours qui n'ont pas été tenus dans la réalité et d'abord d'être intenables. » Alors, on a la question de Lénine qui passe à l'acte. Éric Laurent nous commande cette phrase en disant « La seule véritable satisfaction du désir, c'est une action. » Donc, il y a une satisfaction du désir de Lénine dans le passage à l'acte qui lui donne rien d'autre que des satisfactions libidinales. Ce qu'on appelle régression en psychanalyse, ce sont des satisfactions libidinales. Et soit les temps d'un discours qui n'ont pas été tenus dans la réalité, c'est-à-dire la tentative de récupérer une jouissance perdue en désavouant le fait qu'elle est perdue de structure. La structure du paragraphe. Et voici la petite glosse que nous propose Éric Laurent en une phrase. Le court-circuit que propose la Révolution de 17 est pour Lacan régressif dans ses effets, au sens où elle ne permet pas d'avancer sur le symptôme et la jouissance, elle ne l'interprète pas, elle le met en acte. Le régressif est ici de structure. C'est pourquoi Lacan nous dit que c'est Freud qui va faire le véritable pas en avant. Donc la mise en acte
n'amène que des satisfactions libidinales, c'est l'interprétation qui permet d'avancer. Donc, on a ce cheminement logique. Révolution française avec forclusion de la plus-value. Plus-value révélée par... Enfin, concept révélé par Marx avec précipitation de la conscience de classe comme symptôme. Demande, revendication pour la jouissance perdue. Mise en acte par Lénine qui ne donne que des satisfactions libidinales. Vouée à l'échec puisque... c'est demander à récupérer ce qu'on a déjà perdu, et pas suivant, interprétation par Freud, qui va amener un traitement correct de la question par l'interprétation et non pas par le passage à l'acte. Voilà ce qu'on peut à peu près dire, je pense. Lacan continue en disant « C'est Freud qui nous découvre l'incidence d'un savoir tel qu'à se soustraire à la conscience ». Il ne s'en dénote pas moins d'être structuré, dis-je comme d'un langage, mais d'où articulé, peut-être de nulle part où il soit articulable, puisque ce n'est que d'un point de manque, impensable autrement que des effets dont il se marque, etc. etc. Alors, on a quelques éléments sur la découverte de l'inconscient. Donc, c'est-à-dire un savoir structuré comme un langage articulé de nulle part où il soit articulable, c'est-à-dire de la jouissance perdue. C'est-à-dire ce que Marx appelle la plus-value, Freud le nomme l'objet perdu. Et l'objet perdu, c'est le point non articulable, mais d'où s'articule le savoir qu'est l'inconscient. C'est-à-dire là, on a cette idée que... Lacan attribue à Freud du savoir comme va le commenter Sandra, qui ne se soutient qu'à se présenter comme impossible. C'est articulé, mais de nulle part où il soit articulable. En effet, la cause est partout dans ses effets, mais ne peut pas se connaître. C'est ce que dit la phrase ensuite. Impensable autrement que des effets dont il se marque, c'est-à-dire la cause est partout, mais on ne peut pas connaître la cause. On ne peut connaître que ses effets. Donc la cause est à déduire. C'est un petit peu l'idée que dans l'analyse, par exemple, pour peut-être donner des choses qu'on peut plus appréhender pratiquement, quand on rencontre une personne, on ne connaît pas la cause de sa réalité. On n'en connaît que les effets, puisque la personne vient avec les effets que sont ses symptômes, sa vérité, etc. Et qu'on essaye, au cours de l'analyse, d'en déduire la cause. Mais elle n'est pas articulable. C'est à partir des effets qu'on repère qu'il y a une cause. Voilà. Et après, qui rend précaire que quelqu'un s'y connaisse ou s'y reconnaisse. S'y connaisse, pourquoi ? Parce que s'y connaisse, ça implique la connaissance, comme Lacan le dit, c'est être complice d'une nature, alors qu'il s'agit de dénaturation. Donc quelqu'un qui s'y connaîtrait de manière intuitive, qui aurait l'idée de l'empathie, de la compréhension, il lui échappe complètement que l'être parlant est quelque chose de complètement dénaturé. Donc la connaissance est vraiment une fausse piste. Et ce qui rend faux que personne s'y reconnaisse, ce qui impliquerait le mode dont la conscience affirme un savoir d'être se sachant, c'est-à-dire... que ça rend complètement impossible la transparence à soi-même. Que quelqu'un s'y reconnaisse, ce qui impliquerait le mode dont la conscience affirme un savoir d'être se sachant, ce serait l'inconscient qui serait devenu conscient. Un savoir d'être se sachant, transparent à lui-même, sans opacité. Donc là, on a la place du symptôme. Le symptôme, c'est ce qui est opaque au sujet lui-même et qui fait qu'il ne peut pas s'y reconnaître.
Alors là, Eric Laurent nous dit des choses intéressantes que je vais vous lire. Les deux conséquences du pas freudien, donc ce qui rend précaire que quelqu'un s'y connaisse et ce qui rend faux que personne s'y reconnaisse, les deux conséquences que je viens de commenter avec ma compréhension à moi. Eric Laurent, lui, nous dit « Ces conséquences articulées sur la pratique de la psychanalyse, qu'aucun sujet ne se reconnaît dans le symptôme, Lacan en tire la portée pour d'autres discours. Elle ruine les efforts pour construire un sujet de l'histoire à la hauteur de sa tâche. Celui qui s'y connaîtrait, ce serait qui dans l'histoire? Le révolutionnaire professionnel, le diplômé de sciences politiques, quelque forme qu'il prenne. En ce sens, la chute du mur de Berlin, c'est l'écroulement de toute perspective d'un sujet qui s'y connaîtrait et s'y reconnaîtrait, à l'endroit où s'articule le symptôme. » Et c'est maintenant la partie qui va nous intéresser. « Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, nous dit-il. Cela veut dire qu'il reste possible d'interpréter au sens nouveau du terme qu'introduit la psychanalyse. Interpréter un savoir déjà là, c'est la seule perspective qui reste. » Donc voilà. On peut continuer avec cette phrase. « La structure sur laquelle s'appuie la psychanalyse pour ce faire énonce que la réconciliation du sujet avec sa jouissance est impossible. Il reste à jamais divisé par cette chose qu'il ne maîtrise pas. » Donc c'est la perspective du symptôme qui s'ouvre ici et qui est maintenant devenue dans notre orientation la boussole majeure. Et qu'on voit ici resituée par Lacan dans la perspective logique d'une reconstruction de l'histoire de l'humanité. Révolution spirituelle, révolution scientifique, révolution politique, révolution économique, interprétation marxiste, complétée d'interprétation freudienne, et qui nous amène à la voie du symptôme. Je dirais ça en tout cas. Et c'est peut-être sur ce point que Sandra peut intervenir, puisqu'on est arrivé au point du texte où se trouve la phrase qu'elle a choisie avec courage, phrase complexe. Sandra, souhaites-tu intervenir maintenant ou après une petite pause? On peut après une petite pause, si ça te va. Pour moi, ça va. Pour... Mmh. Oui. Ok, on reprend, dit dans quoi, dit à moins 25, ça vous va? D'accord, oui. On reprend à moins 25, très bien. Alors à tout de suite et bon café. Merci René. Voilà, il est, je crois... 35, on va reprendre avec cette fois la présentation de Sandra, que je ne vois pas. Ah oui, elle est là, pardon. Ouais. Hey, ciao Sandra, c'est bon. Voilà, voilà. Tout le monde arrive. Alors, je vais te laisser la parole, Sandra, pour présenter donc le fragment, la phrase, la page 425 que Véronique a rappelé. Peut-être que tu peux nous la relire pour qu'on l'ait tous en tête. Je te laisse faire. Alors, j'espère que si je la lis, vous allez l'avoir en tête. Alors, j'ai fait une petite recherche. Je vais vous présenter... la lecture que j'ai faite de cette phrase. Je lui ai donné un titre, c'est une courte présentation, c'est pas une présentation, c'est une lecture. Donc, hier soir, ça m'est venu à l'esprit de la nommer l'inconscient de Freud, trois petits points, un pas réel au-delà. Mon propos d'aujourd'hui débute à la page 425,
Je cite, l'inconscient, on les voit, mais quel terme métaphorique a désigné le savoir qui ne se soutient qu'à se présenter comme impossible, pour qu'il de ça, il se confirme d'être réel, entendez, discours réel entre parenthèses. La lecture que je vous propose, c'est plutôt une invitation, une petite balade pour quelques textes de Freud. Je ne vais pas les commenter de manière exhaustive, je vais simplement pointer certains éléments qui me semblent importants. Alors, commençons par les refoulements. Mes références, et je vous la donne, les donne, c'est donc les textes de Freud, l'inconscient, le refoulement, les moi et les ça. Un texte que j'ai trouvé dans le site de l'école de la cause freudienne, donc c'est un travail de cartel qui s'appelle « Deux sujets de l'inconscient au par-lettre ». Et les conférences d'Éric Laurent, qui sont en espagnol quand il a été nommé docteur honoris causa à l'Université de Córdoba en Argentine. C'est les quelques références que j'ai prises pour ne pas m'égarer dans les chemins. Commençons par le refoulement. Peut-il le refoulement expliquer, démontrer pour être lacanien l'hypothèse de l'inconscient? Rappelons-nous, le refoulement est un des destins de la pulsion. Freud se demanda comment une pulsion peut avoir comme destin le refoulement, comment il vient à contrarier les principes de plaisir, parce que, à l'époque, la pulsion, la satisfaction de la pulsion, c'était un plaisir. Il n'était pas en contradiction. Nous allons assister à des explications de l'ordre économique concernant ce que nous connaissons, l'intensité dans l'augmentation de l'attention, qui est considérée pour l'appareil psychique comme une source de déplaisir. Le refoulement va mettre à l'écart, donc c'est le principe de refoulement, de tenir à distance du conscient tout ce qui est ressenti comme une augmentation de l'attention. Problème. C'est qu'il semble que pas tout peut s'expliquer par cette vielle-là. C'est-à-dire la question simplement du refoulement. Je cite Freud qui dit, donc dans les textes du refoulement justement, tout refoulé demeure nécessairement inconscient. Mais le refoulé ne recouvre pas tout l'inconscient. L'inconscient a une extension plus large. Le refoulé est une partie de l'inconscient. Au moment de ce texte, nous le savons, Freud, il est dans sa première topique. Donc, préconscient, inconscient et conscient. Dans les instances, donc ces instances psychiques, par là où l'émotion pulsionnelle circule, disons-le, lorsque c'est possible. Freud avance sur ces questions de leur refoulement. Et si nous nous rappelons, ce qui est refoulé, c'est la représentation, donc il y a une séparation, la représentation, l'affect, donc ce qui était refoulé, c'était la représentation. Plutôt, les représentants représentatifs, pas la représentation de la pulsion, mais les représentants représentatifs de la pulsion. Mais il y a quelque chose d'autre. C'est ce que nous trouvons dans les textes de Freud. Pas tout peut être résolu par ce biais-là, c'est-à-dire dans l'explication de ce qui se révèle dans la clinique. C'est-à-dire que la question du refoulement dans les considérations
qui articule l'inconscient et la pulsion, Oli oblige à Freud à reformuler les choses. Je cite. L'observation clinique nous oblige à décomposer ce que nous avons conçu jusqu'alors, au moins tout. À côté de la représentation, quelque chose d'autre qui représente la pulsion et c'est quelque chose d'autre suivi un destin de refoulement qui n'est pas différent de la représentation. À ce moment-là, Freud il va proposer nommer ce quelque chose d'autre comme un quantum d'affect. Et il dit qu'il sera bien pour les cliniciens lorsqu'il part de refoulement, devient désir. Lorsqu'on parle de refoulement, c'est de refoulement en lien à la représentation ou si c'est de l'ordre de l'énergie pulsionnelle, donc les quantum d'affect. Alors, le problème, c'est la pulsion. Nous allons trouver dans les textes de Freud, donc de signifiants, pour essayer d'expliquer ce qui ne peut pas être expliqué par les principes de refoulement tels que il l'avait proposé. On a les sentiments inconscients. Il dit, je pense que la pulsion entre inconscient, conscient et inconscient, c'est-à-dire la distinction entre conscient et inconscient, tout simplement ne s'applique pas à la pulsion. Parce que une pulsion, dit-il, ne peut pas devenir objet du conscient. Ça ne peut, la représentation, c'est-à-dire ce qui va venir conscient, c'est la représentation qui le représente. Mais il nous dit, il ajoute, que dans l'inconscient, la pulsion ne peut pas être représentée que par la représentation, c'est-à-dire on ne peut pas avoir accès direct à la pulsion. Il nous dit, si la pulsion ne s'attache pas à une représentation, nous n'aurons pas connaissance de son existence. La question, ça se présente plutôt de ce côté-là. C'est ce que j'ai pu isoler. Ces questions ouvertes dans ces textes, donc tant dans la question du refoulement que dans les textes de l'inconscient, donc c'est des textes de 1915, si je ne me trompe pas. Ces questions ouvertes dans ces textes semblent trouver des réponses dans les textes de 1923, les mois et les saints. Nous sommes déjà dans la deuxième topic. Nous trouvons des questions qui concernent la distinction à nouveau entre conscient et inconscient. C'est le problème. Ce qui ne sert pas à expliquer tout ce qui se présente à la clinique. Notamment, nous sommes déjà après les années 20, de ce qui concerne la question de la répétition, la question de la primauté du principe du plaisir, donc qui va, donc c'est le principe qui va, je ne trouve pas les mots en français parce que je lis Freud en espagnol, la hégémonie du principe du plaisir, je pense que ça se dirait comme ça, mais qui concerne les questions de pulsion et notamment la question de satisfaction de la pulsion, ce qui va questionner. Nous savons déjà la théorie, donc la conception de la pulsion de mort. Je vais sauter un petit paragraphe. Nous avons assisté en 1915 dans ce texte de l'inconscient que Freud nous disait que tout refoulé il est inconscient, mais pas tout, l'inconscient n'est refoulé. Alors, en 1923, il nous dit, notre concept de l'inconscient nous vient donc de la théorie du refoulement. Le refoulé est pour nous le prototype de l'inconscient, mais
nous les voyons, et je souligne cette partie que je vais dire, qu'il y a deux sortes d'inconscient. Celui qui est latent, tout en étant capable de devenir conscient, et le refoulé, qui est en soi, et pour tout dire, incapable de devenir conscient. Alors, si vous voulez, j'ai fait la lecture en français de ce livre-là, si vous voulez la référence, c'est dans la page 225. Quelques pages plus tard, il aura aussi la question, il va interroger la question de la cohérence de son appareil psychique tel comme il avait pensé, donc la question de préconscient, conscient, inconscient, qui était pensé, il dit, comme des états absolus et cohérents. Quelque chose ne tient pas. Et il va interroger, je sors de partie, hein. Enfin, il va continuer donc son interrogation, donc pour pouvoir avancer, la question des sensations liées au principe du plaisir. Ces sensations sont, et là il va bien le préciser dans cette page-là, sont des sensations internes liées aux pulsions, qui sont, dit-il, plus originaires et élémentaires que les externes. Il semble qu'il aura, donc, dans cette distinction des plaisirs et des plaisirs, c'est à partir de là, dans ces distinctions-là, que Freud va décider dénommer les choses différemment. Donc ça, c'est un avancée. Il nomme d'abord donc ce qui n'est pas peu, ce qui ne peut pas être expliqué par la distinction de l'appareil psychique comme il avait fait dans son premier topic, et la question du refoulement, c'est-à-dire que quelque chose ne peut pas s'expliquer. Il va les nommer tout d'abord comme autre chose. C'est autre chose qui se comporte, il dit, comme une motion refoulée, mais qu'il n'est pas refoulé. Il me semble que cette question vous m'entendez pas? Si, si, on t'entend bien, vas-y. Et Alexandre, tu n'entends pas? En tout cas, moi, je l'entends. Je ne sais pas s'il y a un souci. Non, on t'entend bien. Oui, d'accord. Donc, je reprends. Je dis qu'il me semble que ces questions qui soulèvent donc la problématique de l'appareil psychique comme une totalité cohérente pour et qui ne peut pas être absorbée, donc ça se présente à l'écrivain, c'est le problème de la satisfaction de la pulsion. C'est ma lecture. Dans ce texte de 1923, Freud, il va décider de nommer les choses différemment. Ce que j'ai dit, il les nomme d'abord comme autre chose, mais il va prendre un pas de plus, et il va faire une autre nomination. Je cite, je propose d'en tenir compte en appelant l'entité qui part du système préconscient et qui est tout d'abord des perceptions conscientes. Excusez-moi, je reprends. Hein. Je propose d'en tenir compte en appelant l'entité qui part du système perception conscient et qui est tout d'abord préconscient, les moi. Et en nommant à la façon de Grodeck, donc Grodeck, c'est quelqu'un qui avait écrit un livre et il questionnait, il introduit autre chose, j'ai pas pu, il est temps d'aller plus loin. Donc, à la façon de Grodeck, l'autre partie du psychisme dans laquelle les moi se continue et qui se comporte comme inconscient, les ça. Alors,
c'est là où j'arrête ces petites valades chez Freud. C'est-à-dire, il va du refoulement, l'inconscient, la première topic, interroger, c'est ce qui ne peut pas être absorbé. Oui, c'est ça, Violaine. Et qui ne peut pas être absorbé par ces mécanismes de refoulement et qui ne peut pas expliquer ce qu'il en reste, c'est-à-dire qu'il y a l'inconscient non plus comme concept et comme hypothèse clinique ne va pas tout répondre à ce qui se présente à la clinique déjà avant, parce qu'on avait vu avant qu'il ne dit pas tout refoulé et inconscient, donc l'inconscient il n'est pas tout refoulé. C'est qu'ils sont liés à la question de la pulsion, comment il va l'extraire donc dans le détail, la question de la satisfaction qui va interroger ça, ne peut pas être absorbé, pour dire qu'il y a cette autre partie avec cette dernière topic, donc il sépare les moi et les ça. Il me semble que ça, c'est une orientation pour moi important pour comprendre. Je ne sais pas si c'est comprendre, mais pour lire cette phrase que je vais reprendre telle comme je l'avais lue pour m'orienter. C'est l'inconscient, on les voit, n'est que terme métaphorique à dessiner les savoirs qui ne se soutient à se présenter comme impossible que pour que dès ça il se confirme de l'être réel. J'extrais inconscient, métaphorique, savoir impossible de ça d'être réel. Je pense qu'une manière de comprendre comme moi je l'avais vu, j'avais lu, on peut ajouter à cette phrase d'un autre paragraphe dans la page aussi 425 qu'il dit « Si l'inconscient d'une autre donne fait sujet de la négation, l'autre savoir s'emploie à les conditionner de ce à quoi, comme signifiant, il répugne le plus une figure représentable. » Rappelons-nous qu'il y a la question de qu'est-ce que c'était l'inconscient pour Freud, donc de la traduction, l'inconscient qu'on peut traduire, d'aller pêcher les représentations qui étaient inconscientes, là on voit bien qu'il y a autre chose. Je pense qu'il y a un mouvement qui fait Lacan, si on veut comprendre quelque chose, pour nous détacher de l'idée de l'inconscient freudien, c'est de ne pas les lire à partir de l'inconscient freudien, mais sinon c'est à partir de ce qui se présente comme autre chose, comment c'est ce que Freud il va isoler comme les ça. Alors, souvent on dit que Freud, dans les premières Lacan, le retour à Freud, mais au-delà de Freud, en retournant à Freud, Lacan retournant à Freud et Freud contre Lacan contre Freud, nous assistons aussi dans ces pages, en tout cas à partir de la question 4, et c'est pas où nous amenait Lacan depuis le début de son texte en radiophonie, c'est Lacan contre Lacan. Nous pouvons dire, je cite, donc une des paragraphes du texte que j'ai trouvé sur l'école de la cause freudienne qui dit « C'est à l'encontre d'une définition de l'inconscient comme pur discours à déchiffrer par une machine linguistique que Lacan émancipe l'inconscient de la référence exclusive du signifiant en mettant en lumière comme c'est nu les effets du réel de la jouissance, corps et structure et de l'appareil inconscient. » Je pense que c'est difficile si on n'a pas cette lecture, donc comme moi je l'ai pris, de pouvoir extraire la question de ce qui échappe dans tout cet appareil conceptuel
qui essaye de tenir. Hein. Il y a un moment où Freud il dit qu'il va mettre en question la cohérence donc, de son système comme un tout, qui ne peut pas répondre à tout ce qui se présente dans la clinique. Hein. Donc, je pense que la lecture, c'est, si on veut, de Freud, c'est de l'inconscient au ça, pour pouvoir introduire la question du réel et de l'inconscient comme réel. Voilà ce que j'ai pu extraire. Mais c'est la lecture que j'ai fait de cette phrase. Je te remercie beaucoup, Sandra, d'avoir fait ce voyage complexe dans les textes freudiens et de bien nous montrer en quoi l'inconscient lacanien, en tout cas celui qu'il nous propose à partir de radiophonie, n'avait plus grand-chose à voir avec l'inconscient freudien. En effet, si on s'attache à la lecture de la phrase que tu as choisie, terme métaphorique, l'inconscient, terme métaphorique, c'est une manière de dire que le mot d'inconscient, si on a cette phrase en fait à la page 430. Je me suis demandé en fait ce qu'elle voulait dire au milieu de la page. Est-il justifié de s'en tenir à ce sens inventé pour répondre à un usage métaphorique? Ouais, donc je pense qu'il y a un écho et l'idée de l'inconscient comme terme métaphorique, ce serait de l'inconscient qui fait référence à la division entre les choses conscientes et les choses inconscientes. Mais ce que Lacan nous dit, c'est que l'usage métaphorique mène à un sens inventé. C'est-à-dire, oui. On imagine ce que ça veut dire, alors que ce que Lacan nous dit, c'est que l'inconscient n'est pas un terme métaphorique. Il est, même si c'est un terme métaphorique, en effet, ce qu'il désigne, ce n'est pas le sens inventé conscient-inconscient, c'est le savoir qui ne se soutient qu'à se présenter comme impossible. Oui. Voilà, c'est donc ce que lui, Lacan, essaye de mettre à la place de l'imaginarisation de l'inconscient freudien, sens inventé d'un usage métaphorique. C'est pour ça que ce que tu avais soulevé en lisant Quare, donc dans La révolution de la pensée, c'était très éclairant. En fait, quand je t'entendais, j'avais l'impression de faire un peu les mêmes. Mais un peu de suivre un peu cette logique, c'est-à-dire pour moi c'était d'essayer de comprendre, d'extraire où on pouvait s'appuyer, et même si c'est des textes de Freud que j'ai lu plusieurs fois, c'est la première fois que j'ai pu extraire ce qui ne va pas. En effet, tu as tout à fait raison de rappeler cet appui pris par Lacan sur l'épistémologie, parce que c'est la tentative de Lacan de présenter l'inconscient non plus comme donc quelque chose de mythique ou de naturel ou de quoi que ce soit, mais en effet d'un savoir ayant la même structure que le savoir scientifique, c'est-à-dire qui se déplie à partir d'un point d'impossible à penser. Oui. Et donc, quand l'être parlant rencontre un point d'impossible à penser, se dépose en lui les signifiants dont il va faire savoir inconscient. C'est vraiment la tentative de Lacan pour penser l'inconscient à partir donc, du réel comme impossible à penser et donc du réel dégagé par la science moderne. Et comme les êtres parlants contemporains habitent non plus dans le monde, mais dans l'univers infini, il s'ensuit que l'inconscient, notre inconscient, répond à cette transformation de la matrice de la civilisation, c'est-à-dire de la combinaison signifiante qui nous met en scène comme sujet. Et en effet, cette phrase résume vraiment parfaitement la réponse à la question 4, où Lacan nous dit que l'inconscient n'est pas une notion clé, mais un savoir qui ne se soutient qu'à se présenter comme impossible, c'est-à-dire ainsi qu'il se confirme d'être réel. Et après, on a toutes les autres choses. Oui.
En fait, j'avais une idée quand il m'avait posé la question sur la bipolarité le mois dernier, mais en ayant relu cette page attentivement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'avais dit. Puisque, en dis-moi, effet, dis-moi, parce que j'ai pensé aussi. Mais... Et on relit bien cette phrase. Bref, il suffit de rappeler que la bipolarité se trahit essentielle à tout ce qui se propose des termes d'un vrai savoir. C'est-à-dire, un vrai savoir, ce n'est pas un savoir qui se confirme d'être réel. C'est un savoir du registre de la vérité. Et tout ce qui est de la vérité, c'est la bipolarité, c'est-à-dire le couple homme-femme, le yin et le yang. C'est en fait tout ce qu'on retrouve déplié dans le chapitre 11 du séminaire 17, les sillons de la léthosphère, où Lacan disait que le sens sexuel avait été la clé de la mise en forme du monde. Mais le monde clos, dont nous parlait Quaré justement, où il y avait une complémentarité entre tout. Le bien, le mal, l'homme, la femme, l'animal, l'humain, tout est, en fait était fini, avait un sens ordonné par l'idée divine d'un monde qui fonctionnait selon les lois de la nature. Et en effet, on n'a plus ça du tout. Et la phrase d'après qu'on s'est beaucoup acharné à déchiffrer, c'est « intervient la question du non-rapport sexuel, ce qui a ajoute l'inconscience de la fournir d'une dynamique de la dispute. » Je pense que c'est une référence au point du non-rapport sexuel, c'est-à-dire le point d'impossible, qui s'oppose au point de mythe qu'on avait plus haut. Le point de mythe, si on se rappelle, plus tôt dans le texte, c'était le phallus, où Lacan disait au point du non-rapport sexuel intervient le point de mythe qui est le phallus. C'est à la page 412, au phallus se résume le point de mythe où le sexuel se fait passion du signifiant. Donc, c'est-à-dire, face au non-rapport sexuel, on a besoin du phallus, c'est-à-dire de la passion du signifiant, pour faire rapport entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, il faut se parler, le rapport n'est pas de la nature. Et donc Lacan nous montre bien là qu'on ne peut pas ordonner le monde avec une complémentarité, une bipolarité, une naturalité, mais qu'au contraire, il faut comprendre l'inconscient comme à partir du point d'impossible et que le non-rapport sexuel témoigne de ça dans la vie des hommes. Et après, les autres éléments que j'ai, je ne les ai pas tous compris moi-même, hein, c'est très compliqué, mais il y a la référence à la censure, par exemple. Oui, je n'ai pas rentré, mais... Ouais. En effet, j'ai lu dans tout ce que j'ai pu lire, je ne sais plus d'où j'ai lu ça, mais en effet, à la censure freudienne, qui est nécessaire à rendre compte de l'existence de l'inconscient, hein, pour Freud. D'ailleurs, c'est l'impasse logique de la construction freudienne, c'est que toute sa construction ne tient que sur l'hypothèse d'une agence sensorielle. Oui. Une instance sensorielle. Et en effet, c'est pour ça que devant... tu sais qu'au début, toute sa construction repose sur la menace réelle de castration. Oui. Et que, devant le peu d'évidence, le peu de preuves, de constatations empiriques, statistiquement parlant, il n'y a pas beaucoup de pères qui faisaient à leurs enfants des menaces de castration. Hein. Et donc, Freud a été obligé d'inventer les trois mythes, totem et tabou, Moïse, l'homme Moïse, et, je ne sais pas comment c'est en français, le monothéisme, c'est ça, Moïse et le monothéisme. Tous ces textes où en fait il y a une espèce de transmission phylogénétique de la menace de castration que Freud justifie à la fois de remords, de regrets, de renonciation, que finalement, même en l'absence d'un père, de par la transmission phylogénétique du remords, ça continue à soutenir l'agence de la censure et l'instance de la censure. C'est quand même des constructions très tirées par les cheveux. Et donc, ça ne tient que par, en effet, le point de mythe, la passion du signifiant. Et donc, c'est pour ça que Miller va... Je crois que c'est Miller qui dit que Lacan corrèle plutôt l'inconscient à l'impossible qu'à la censure. Oui, c'est ça. Donc, l'inconscient, c'est ce savoir articulé de nulle part où il soit articulable, c'est-à-dire ce qui ne peut pas se dire, la faille...
Et là se déploie tout un savoir à partir de ça. Et pas du tout sur le refoulement du fait d'une instance sensorielle. D'une instance sensorielle. Et en effet, ça nous permet d'avoir un autre éclairage sur le couple Freud-Marx. Parce que, en effet, si Freud amène la méthode de l'interprétation, alors que Marx amène la méthode de la révolution, il y a à préférer la voie freudienne, puisque l'interprétation est plus efficace que la mise en acte qui n'amène que des satisfactions régressives, comme nous le dit en toutes lettres Lacan, une fois qu'on a, on sait ce qu'il faut lire, on peut vraiment le lire en toutes lettres. Ça, c'est l'apport de Freud, interprétation à préférer à mise en acte, mais l'homologie entre Freud et Marx, c'est-à-dire pour Freud, l'homologie, c'est la jouissance perdue. Bon, on sait que si on lit Malaise dans la civilisation, Freud dit que la libido est perdue du fait de la civilisation. C'est-à-dire, c'est la civilisation qui dit à l'homme, tu ne peux pas jouir comme bon te semble, tu dois respecter certains impératifs de vie en société, aime ton prochain comme toi-même, tu ne tueras point, etc. Tu ne coucheras point avec ta mère, et ainsi de suite. Et donc, il y a une perte de libido qui est perdue, et vous savez très bien l'impasse qui s'en déduit, que Freud déplie en toutes lettres, et que Miller résume formidablement dans l'extrait du banquet des analystes qu'on a dans le numéro sur le capitalisme de la cause du désir, c'est que cette libido, on le sait que le quantum, le facteur quantitatif, le quantum libidinal, il n'est pas traitable par le refoulement. C'est-à-dire qu'il va s'exprimer d'une autre manière. Et on sait que pour Freud, il s'attache au surmoi. C'est-à-dire que la jouissance à laquelle on renonce du fait de la civilisation, c'est la jouissance qui nourrit le surmoi. Et en effet, là, on a l'impasse freudienne. Il faut renoncer à la jouissance, et plus on y renonce, plus le surmoi féroce nous demande d'y renoncer, et plus le surmoi nous torture, etc. Alors qu'au contraire, ce que Lacan va trouver chez Marx, qui n'est pas chez Freud, c'est que pour Marx, la perte de jouissance donne lieu à une forme de subjectivité qu'est la conscience de classe, c'est-à-dire au symptôme. Au symptôme qui est la revendication collective de la récupération de la jouissance perdue. Et donc c'est une forme de subjectivité qui est plus utile. C'est pour ça que Lacan dit qu'avec cela, Marx proroge donc le sujet de la révolution, c'est-à-dire un sujet qui va demander, qui va se constituer en groupe pour avoir des revendications et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est une forme de subjectivité. Ce n'est pas l'impasse freudienne du surmoi comme tentative thérapeutique de la civilisation. C'est ainsi que Freud appelle le surmoi, on le sait. C'est une tentative thérapeutique de la civilisation, c'est-à-dire un mode, l'éthique comme tentative thérapeutique du surmoi, c'est-à-dire un mode de traitement de la jouissance à laquelle on a dû renoncer. C'est vraiment, Freud prend ça comme un problème économique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de cette part libidinale à laquelle on ne peut pas se décharger, pour parler en termes freudiens. Donc, c'est comme ça, en couplant Freud et Marx, en prenant à l'un la méthode et à l'autre la force du symptôme, Lacan va faire en effet de Marx l'inventeur du symptôme, ou celui qui découvre la force politique du symptôme. Donc en mettant ces deux choses ensemble, là on a vraiment une nouvelle voie pour la psychanalyse. Et en effet, ce texte est très difficile à naviguer parce que tout est très très condensé, elliptique, pas du tout expliqué, pas du tout explicite, et on a tous ces fils qui se renouent d'une autre manière, Poiré, Marx, Freud, etc. Voilà un peu, oui. Oui, non, mais ce que tu viens de dire, ça éclaircit, c'est difficile, mais je pense qu'on arrive petit à petit, parce que les pages qui suivent, donc à la question 4, il nous amène d'une manière à son style, je pense qu'il est fidèle à Lacan, à ce qu'il dit dans les textes, à la manière comme il va jouer aussi avec les mots, comme il va jouer avec les résonances, pour nous détacher
de la conception de l'inconscient, comment savoir, comment quelque chose à côté de la représentation et penser, c'est les savoirs, mais comme il dit. C'est un savoir, en effet, détaché de la représentation, mais ça reste un oui, savoir. C'est ça. Oui, en les séparant de la représentation, oui. La logique pour qui le vrai et le faux ne sont que l'être à opérer d'une valeur, c'est le seul savoir qui donne la dite et façon. Ça, c'est quand même le savoir inconscient. C'est pas le savoir inconscient, en effet, qui représenterait le refoulé. Ça, c'est sûr, hein. Tu as tout à fait raison. Mais ça reste du registre du savoir. Qui c'est qui c'est important de le signaler comme ça, comme tu l'as dit. Parce que d'habitude, on dit le non-savoir, mais séparer le savoir de la représentation et dire qu'il y a quand même un savoir. Oui, tout à fait. Sinon, oui. À quoi bon l'analyse? Et donc, dans cette page, il y a plein de petites notations incroyables. La dispute, moi je trouve que c'est joli, la représentation du non-rapport sexuel, de la dispute qui s'y fait par une suite de rétorsions, ne pas manquer de leur ordre, qui fait du corps table de jeu. C'est, bon, pour moi, vraiment, c'est la dispute homme-femme, les rétorsions, le corps table de jeu, les parties du corps, toutes ces choses-là. Et à la fin, on a... place nette soit faite au réel, le conflit fait fonction, est-ce que la place nette soit faite au réel? Enfin, je pense que pour moi, c'est très énigmatique, je comprends pas très bien, hein, mais je pense qu'il y a une vraie reconceptualisation de l'inconscient qui permet à la fin de faire ce qu'il dit. Hein, ce qu'il essaye de faire, c'est de rectifier la boussole des psychanalystes, ces bateaux qui naviguent, enregistrés correctement, etc., etc. Et après, on a la page 426, où là, on va remercier énormément Éric Laurent d'avoir bien voulu nous déchiffrer cette page, parce que non seulement, là, on avait quand même déjà énormément de références, et là, il nous rajoute en plus Heidegger, l'ontologie, les temps, Sauvage, la doctrine de l'être, l'existentialisme. C'était déjà pas assez compliqué. L'ontologie, dont il va faire son ontologie avec un H. Réponse donc à la question de Jacques-Alain Miller dans le séminaire 11, comme tout le monde le sait. Hein. Jacques-Alain Miller dit d'ailleurs dans L'être et l'un qu'il avait posé cette question à Lacan parce qu'il sentait que l'ontologie de Lacan n'était pas bien située, et en effet, 10 ans après, Miller répond, pas 10 ans après, 5 ans après, en disant qu'il a honte maintenant, en effet, de son ontologie. Donc là, on a un nouveau champ référentiel. Donc le nouveau champ référentiel, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que l'être? Et là, Lacan opère avec la différence heideggerienne entre l'être et l'étant. Et vraiment se moque en écrivant les temps avec un G. C'est quand même drôle. Enfin, on voit vraiment comme ça son attitude tout à fait, irrévérencieuse par rapport au savoir universitaire constitué, le savoir non opérant en fait. Un savoir teinté d'idéalisme, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut... idéalisme, mais au sens philosophique du terme. Pas au sens d'avoir un idéal, mais au sens d'avoir l'idée que, se faire l'idée que. Ce serait se faire l'idée de ce que c'est que l'être de l'étang. Il y a les étangs, c'est-à-dire ce qui se montre dans le monde, et l'être serait la vérité de l'étang, au-delà de ce qui s'en montre, comme s'il y avait quelque chose. Donc, comme dans la formule heideggerienne de pré-ontologique, hein, où tout le monde connaît cette idée certainement de Heidegger, ou de pré-conceptuel, quelque chose qui précéderait l'existence de l'étant, et donc qu'on pourrait déduire de ce qu'est l'étant. Comme un espèce d'essentialisme, en effet. L'être serait du côté de l'essence, d'une essence de l'étant. Et donc, Lacan dit maintenant, tout ontobu maintenant, c'est-à-dire là, il n'a plus du tout à être soupçonné d'avoir une ontologie,
Bon, il ne l'avait déjà pas dans le séminaire 11, parce qu'on se rappelle quand même de ce qu'il nous a dit de l'inconscient, que son statut n'était pas ontique, mais éthique. C'est-à-dire, le statut de l'inconscient, c'est de l'ordre d'un devoir-être. Hein, l'inconscient, c'est un devoir-être, ce n'est pas quelque chose qui est, justement. C'est le statut de l'inconscient, c'est de devoir-être. C'est-à-dire quelque chose qui requiert l'implication subjective de celui qui parle. Donc, il n'a pas un être constitué. Et là, on a tout le développement d'Éric Laurent qui nous explique, heureusement, parce que quand même cette page est incompréhensible pour ma part, et même Éric Laurent lui-même dit qu'il ne l'aurait pas compris sans les cours de Miller. Mais ça commence avec « Mon épreuve ne touche à l'être qu'à le faire naître de la faille que produit l'étang de se dire ». Là, on est content. Et Éric Laurent nous explique dans son texte qui est dans le numéro 106 de La cause du désir, à la page 43. Là, il nous fait une lecture magistrale de tout ce paragraphe, hein, où en fait il nous explique ce que c'est que l'inconscient. Alors je vais reprendre la logique de ce qui se déplie à partir de l'intervention de Sandra sur ce que n'est pas l'inconscient. Donc l'inconscient n'est pas ce qui n'est pas conscient. D'accord ? Ça, c'est la forme métaphorique. L'inconscient, ce serait le sens inventé pour répondre de la forme métaphorique où le mot inconscient semble évoquer ce qui n'est pas conscient. D'accord ? Donc l'inconscient n'est pas ce qui n'est pas conscient. Déjà, Freud lui-même en doutait parce que, comme tu l'as cité très bien dans le moi et le... Enfin, tu as cité fort pertinemment le texte Le moi et le ça. Il est déjà à dire, il y a des bouts du moi qui sont inconscients, des parties de l'inconscient qui sont conscients. Enfin, la topologie devient fort complexe et on n'arrive plus à dire vraiment que l'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. Donc déjà, chez Freud lui-même, on a ce début de complexification. Donc premièrement, l'inconscient n'est pas ce qui n'est pas conscient. Deuxièmement, l'inconscient, c'est pas non plus ce qui est à appréhender dans une dimension philosophique comme étant l'être de l'étang, c'est-à-dire une vérité pré-ontologique, première, prédiscursive, non. Et en effet, dans le texte de Jacques-Alain Miller qui est dans La cause du désir, il le dit en toutes lettres, il n'y a d'être que discursif. Il n'y a pas l'être de l'étang qui serait une essence plus pure de l'étang. Et alors Éric Laurent va nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'inconscient si c'est ni l'être de l'étang, ni ce qui n'est pas conscient. Et là, on a cette idée de l'inconscient comme, il nous le dit, une modalité d'être en défaut. C'est ça l'inconscient. Alors, on trouve ça à la page 43, je vous lis un petit paragraphe pour vous mettre un petit peu comme dans le bain du commentaire d'Éric Laurent. Lacan dit que le rapport de l'expérience psychanalytique à l'être est celui d'un être en défaut. C'est la rencontre d'une faille, c'est la rencontre d'une faille qui se produit nécessairement quand l'étang qui parle tente de se dire. Cette faille interdit à celui qui parle de se prendre pour l'auteur de ses pensées, pour un « moi, je parle ». Un désir parle en moi qui me dépasse. Éric Laurent nous dit fort gentiment que c'est ça que veut dire la phrase que j'ai lue. « Mon être ne touche à l'être qu'à le faire naître de la faille que produit l'étang de se dire, d'où l'auteur est à reléguer, à se faire moyen pour un désir qui le dépasse. » Ça, c'est donc la phrase de radiophonie. Et Éric Laurent nous dit fort limpidement ce que ça veut dire. L'inconscient, c'est une modalité de l'être qui touche à l'être en défaut, puisque l'être qui tente de se dire se sait ne pas être l'auteur de son désir ni l'auteur de ses pensées. C'est-à-dire, il est dépassé par son désir. Voilà. Donc, on a une première manière de lire ce texte fort complexe. Et après, Laurent nous commente également le reste, la phrase d'ensuite. Il y a entremise autre qu'a dit Socrate en acte. Il savait comme nous qu'à l'étang, faut le temps de se faire à être. Et donc là, s'introduit la dimension du temps. C'est-à-dire que, alors que tous les philosophes essayaient de
enfin, la philosophie essaye de corréler enfin, le temps à l'éternité, c'est-à-dire ce que Miller a pu appeler par ailleurs la spatialisation du temps, faire du temps un espace où les choses une fois organisées restent de manière statique. Pour Lacan, Lacan réfute à la fois la chronologisation du temps et sa spécialisation, c'est-à-dire le temps comme éternité. Il y aurait un être éternel, une éternité de l'être, qui peut être une tradition philosophique, ou un temps chronologique, linéaire, qui est le temps de l'historisation, qui serait plutôt le temps des philosophes hegeliens et de cette même mouvance, où on aurait comme ça une incorporation dialectique du réel dans ce qu'Hegel appelle la réalisation du réel, c'est-à-dire faire passer la réalité dans le langage. C'est un petit peu le mouvement de la dialectique de l'histoire de Hegel, et donc on aurait là un temps chronologique. Et donc on aurait à chaque fois des conceptions de l'être. Chez Hegel, l'être n'est que devenir, hein. Le roi n'est roi mais il faut encore qu'il le devienne, ou l'être comme éternité ou essence, qui relève cette fois-ci d'une négation du temps, diachronique de l'être humain. Et alors à ces deux modalités temporelles, c'est, vous le savez, le temps logique que Lacan amène. Donc c'est ce qu'on trouve ici avec cette idée, il savait comme nous, Socrate, hein, qu'allaitant faut le temps de se faire à l'être. Ce faut le temps, c'est l'être qui sollicite de l'inconscient pour y faire retour, chaque fois qu'il lui faudra le temps. Donc à chaque fois que l'être parlant se trouve dans cette modalité d'être en défaut, c'est-à-dire d'être... le siège d'un désir qui dépasse l'étang, il lui faudra le temps. Donc, ce qu'Éric Laurent commente en disant, quand le sujet touche une modalité du défaut de s'y retrouver dans son être, il lui faudra du temps logique pour le faire. Voilà, c'est ce qu'on comprend de cette phrase, hein, c'est l'être qui sollicite de l'inconscient pour y faire retour, c'est donc la cellule primordiale du grave du désir, c'est la rétroaction. Et la rétroaction qui est la cellule du temps logique avec, on peut dire, instant de voir, temps pour comprendre, moment de conclure, rétroaction interprétative sur l'instant de voir. Donc ça, c'est en effet, à chaque moment de défaut, il y a un appel au temps logique pour s'extraire du défaut d'être où se trouve l'être parlant. Ok ? Et donc là, on a construction de l'inconscient par Lacan à partir donc de son statut éthique et du temps logique. Donc on voit vraiment que là, il n'est vraiment plus du tout question en effet d'une ontologie de l'inconscient. Donc, toutes ont au but. Donc, voilà quelques points de lecture. Après, en effet, Éric Laurent continue à nous expliquer tous les jeux de Lacan autour du mot « faille »,« faudra ». Donc, si on regarde ensemble, « entendez que je joue du cristal de la langue pour réfracter du signifiant ce qui divise le sujet ». Donc le cristal de la langue, c'est-à-dire ici en l'occurrence, c'est tous les jeux de mots avec falloir, faillir, faille, et la conjugaison par Lacan au futur, comme Éric Laurent le raconte dans son texte. Si ça vous intéresse, il y a toute une page où... Laurent nous explique la grammaire faillir, falloir, avec des exemples littéraires et classiques. Laurent nous fait une interprétation en disant que c'est par un forçage de la langue que Lacan fait entrer du nouveau. Donc ça, c'est la thèse
qu'Éric Laurent développe dans ces deux numéros de La cause du désir et deux numéros qui, où il nous explique en quoi l'écriture de la jouissance est la réponse de la psychanalyse à la biopolitique, qui est le titre de son ouvrage que j'avais mentionné comme faisant écho au texte de Radiophonie au début de cette année. Donc voilà, et tout ce petit excursus grammatical, forçage de la langue pour faire entrer quelque chose de la singularité dans le langage, donc en l'occurrence celle de Lacan, mais qu'Éric Laurent nous dit que chacun d'entre nous a à faire pour inscrire quelque chose de la singularité de sa jouissance dans le langage qui est déjà là. Donc là, on en a un exemple de Lacan lui-même, avec ce cristal de la langue qui lui permet de réfracter « fight, faillir, falloir » pour faire entrer quelque chose d'autre. Ça finit par donc les deux dernières phrases de la page 426. « Ce falloir ne fait pas par hasard équivoque dit au mode subjectif du défaut. Avant, à moins qu'il ne faille y venir, c'est ainsi que l'inconscient s'articule de ce qui de l'être vient au dire. » Et donc là, on a, c'est-à-dire, c'est pour ça que l'inconscient est du registre du devoir-être, puisque l'être parlant, donc confronté au défaut de son étant, dépassé par son désir, a donc à subjectiver ce défaut et à en dire quelque chose. C'est ainsi que l'inconscient s'articule de ce qui l'être vient au dire. Et donc là, on a vraiment... toute une théorie de l'inconscient qui est du registre du dire à partir du défaut. Et on a vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus difficile à attraper que les conceptions freudiennes de l'inconscient ou les conceptions philosophiques de l'être. Donc on a quelque chose de plutôt insaisissable. Et si c'est pour ça que ensuite la page 427 continue sur ce que doit être la position de l'analyste face à cet inconscient, parce qu'une fois qu'on nous a dit ça, en effet, on retrouve la position éthique de Lacan qui est de toujours miser sur l'implication subjective, c'est-à-dire il n'y a pas une vérité à découvrir, mais à miser sur ce que le sujet a à dire. De sa jouissance, on dirait maintenant plus simplement, de son désir, comme il le disait plus volontiers à l'époque. Et là, on a donc qu'à faire le psychanalyste face à ça. C'est ce que le psychanalyste relaie d'y faire figure de quelqu'un. D'accord ? Là, on a intervient le psychanalyste. Le faux du temps, il le supporte assez longtemps pour qu'à celui qui vient s'y dire, il ne faille plus que de s'instruire de ce quelque chose, de ce qu'une chose n'est pas rien, justement celle dont il fait signe à quelqu'un. Là, on retrouve le plus de jouir. Si vous vous rappelez des deux premières questions où Lacan disait que il n'y a pas de fumée sans feu, on devrait plutôt dire que la fumée fait signe du fumeur, c'est-à-dire de la jouissance du corps qui fume. Et là, en effet, on a la définition du parcours analytique par Lacan. Le faux du temps, il le supporte assez longtemps pour qu'à celui qui vient s'y dire, il ne faille plus que de s'instruire de ce qu'une chose n'est pas rien, justement celle dont il fait signe à quelqu'un, c'est-à-dire l'objet cause de son désir, dont à la page 425, on avait cette idée, langage articulé, mais de nulle part où il soit articulable, la cause solide dans tous ses effets, etc. Et on retrouve la phrase « le plus de jouir qui ferait dire ça, c'est quelqu'un ». Et donc le psychanalyste, c'est celui qui fait figure de quelqu'un. Donc le psychanalyste, la psychanalyse, c'est ce que fait un psychanalyste. Le psychanalyste, il est produit par la structure correctement symbolisée. Qui produit le psychanalyste ? Le plus de jouir qui fait dire ça, c'est quelqu'un. Ce psychanalyste... en position d'analyste avec l'analysant, supporte l'analysant assez longtemps, puisqu'il faut le temps pour reconnaître que cette cause que en fait Freud nommait l'objet perdu est en fait le plus de jouir propre à l'analysant. Et donc, s'instruire de ce qu'une chose n'est pas rien, justement celle dont il fait signe à quelqu'un, c'est-à-dire son plus de jouir. Sa modalité spécifique de jouissance.
Donc, en effet, on retrouve encore une fois toutes les dimensions du texte, c'est-à-dire la formation de l'analyste, la passe, la position de l'analyste, ce que c'est qu'une analyse, qu'est-ce que c'est que l'inconscient, et toutes ces choses qui sont quand même vraiment époustouflantes de précision et de finesse ramassées dans ce texte. Donc, Lacan se sert des questions de Georgin pour transformer et repenser sa transmission. Voilà. Après, on a évidemment, qu'est-ce que c'est que l'analyste ? C'est celui qui fait l'acte analytique. Et cette phrase que j'ai citée tout à l'heure comme une pierre de touche, « Je tiens ici à marquer que quelqu'un ne s'y assoit que de la façon, de les façons plutôt qu'il impose au vrai. » Alors, ça se continue par la phrase « Un seul savoir donne la dite et façon, la logique pour qui le vrai et le faux ne sont que l'être à opérer d'une valeur. » Donc là, on a, comme on l'avait dit tout au début de l'année, la fin de l'inconscient vérité, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une vérité inconsciente qui se découvrirait au fond à la fin d'une analyse, mais qu'au contraire, l'analyste est produit de par les façons du vrai, c'est-à-dire l'effacement du vrai, les façons qu'il y impose au vrai. Un seul savoir donne la dite et façon, la logique pour qui le vrai et le faux ne sont que l'être à opérer d'une valeur. Donc on sait que, en effet, la logique, c'est ce qui vide la vérité de sa passion. Les façons du vrai, c'est vider la vérité de sa passion et faire de la vérité ce qui déduit d'une combinaison de propositions. C'est ça, la logique pour qui le vrai et le faux ne sont que l'être à opérer d'une valeur. C'est-à-dire, si il fait jour, le stoïcien, ça continue, les stoïciens, le pressentir de leur pratique, le stoïcien ne va pas se lever pour aller voir dehors s'il fait jour. C'est-à-dire, c'est décorrélé de la référence. On ne va pas regarder la réalité pour savoir si le dit est vrai ou faux, mais on va prendre le dit dans un ensemble de propositions pour savoir s'il est vrai ou faux à partir d'un ordonnancement signifiant. Et on va mettre une valeur vraie ou fausse selon l'ordonnancement signifiant. Et ainsi, une analyse procède de cette manière-là. C'est-à-dire, on s'en fiche de la vérité, c'est qu'on va voir où se met la lettre vraie et la lettre fausse dans l'ordonnancement signifiant d'un sujet, qui sera fonction de l'impossible à symboliser, qui a donné corps au savoir comme s'articulant à partir d'un impossible. Et donc l'analyste, c'est celui qui peut s'asseoir à cette place, c'est celui qui peut témoigner de les façons qu'il a imposées au vrai dans son propre cas. C'est-à-dire comment il s'est défait de ses fictions et quel est le reste avec lequel il se retrouve, c'est-à-dire son plus de jouir, ça qui fait dire ça c'est quelqu'un, et qui va mettre ça en jeu dans la cure qu'il va conduire sur le modèle que Lacan prend avec espièglerie à Bellamy, que Alexandra avait commenté l'autre fois. L'huître à gober qui s'évoque de l'oreille que Bellamy s'exerce à charmer livre le secret de sa jouissance de macro. C'est une manière de dire que l'analyste a à mettre en jeu son plus de jouir. Et c'est fini l'idée de l'analyste neutre, celui qui ne dit pas un mot, qui est dans son coin, dont on ne sait rien. L'analyste a à mettre sa manière de savoir y faire avec le réel de sa jouissance. Et c'est ça qui va causer le transfert. L'ironie de l'un, l'humour de l'autre, le pessimisme de l'un, le charme de l'autre, quelque chose de sa jouissance et de son savoir y faire avec, qui va permettre à l'analysant de soutenir le temps qu'il faut pour se faire à l'être. C'est vraiment la phrase de Lacan, il faut le temps de se faire à être, en effet, parce que l'être n'est pas une donnée perdue,
mais quelque chose de l'ordre d'un devenir éthique pour lequel il faut le temps logique, incompressible. Et donc là, on a ces indications de Lacan, avec ensuite donc quelques éléments sur la logique, l'indécidable, l'incomplétude, l'indémontrable, et ainsi de suite. Voilà. Et après, je n'ai pas... quelle heure est-il? Il est moins 20. On peut peut-être juste encore dire deux ou trois choses et après je m'arrête pour laisser une place à des échos ou des questions ou des commentaires. La différence, par exemple, à la page 428, l'évocation de la judéité de Freud. La foi unique que Freud faisait aux Juifs de ne pas faillir au séisme de la vérité. Pourquoi, sinon, de ce que le Juif, depuis le retour de Babylone, est celui qui sait lire, c'est-à-dire que de la lettre, il prend distance de sa parole, trouvant là l'intervalle juste à y jouer d'une interprétation. Donc là, on a vraiment quelque chose qui fait référence à ce que je vous citais du cours de Jacques Alain Miller au début, de la différence entre l'être et l'existence. Que là, je vous relis la phrase avec le contexte qu'on a maintenant pour comprendre ce texte. Parce que je vous l'ai déjà lu, mais je pense que vous l'entendrez mieux. Rien à voir avec l'existentialisme de Lacan qui est un logicisme. Donc là, on retrouve la source, hein, la logique, science du réel. L'existence de Lacan résulte du crible auquel la logique soumet les êtres de langage pour y reconnaître le réel et le séparer du semblant. C'est ce que là, Lacan fait crédit à Freud d'avoir su reconnaître chez les Juifs. C'est-à-dire ne pas se laisser prendre à l'être, mais insister sur la lettre. C'est-à-dire le crible auquel la logique soumet les êtres de langage pour y reconnaître le réel et le séparer du semblant. Donc l'existence dépend et se déprend d'une opération signifiante. La ligne de partage des eaux passe par ce terme que j'ai employé d'être prédiscursif. L'existence surgit du langage, travaillant le langage. Elle suppose l'appareil logique s'emparant du dit pour le serrer, le comprimer, l'ordonner, et du langage faire sourdre du réel. Donc là, on n'a vraiment pas du tout l'idée d'un réel hors langage, puisque c'est par la logique que du langage, on va faire sourdre le réel de chaque un. C'est ça l'objectif d'une analyse. Ce réel au niveau de l'existence, dit Miller, c'est du signifiant, rien à voir avec la présence qui palpite. Et toute une élaboration absolument fantastique qui suit, y compris une explication de pourquoi ce paragraphe énigmatique qu'on avait laissé de côté sur l'au moins un et le plus un de l'autre, etc. Miller nous explique ça magistralement dans ce texte qui est donc vraiment à lire. Donc repérage sur la lettre avec la référence au judaïsme et à sa tradition de lecture et non pas d'un sens qui ne se justifierait pas d'une existence justement. Et ensuite la prise de distance explicite que Lacan prend avec Freud. Et donc à la fin de sa réponse à la question 4, on a occasion de passer à l'envers de la psychanalyse en tant qu'elle est le discours de Freud, lui, suspendu. Donc ce que Lacan nous dit bien ici, c'est que Freud, malgré donc ses avancées et ses inventions, est resté suspendu et donc face... à la faille dans le savoir que Freud rencontrait, comme je le disais tout à l'heure,
l'absence de la vérifiabilité de la menace de castration, d'une instance de la censure, et ainsi de suite. Donc face à cette faille, le recours de Freud, ça a été l'anthropologie. Je ne me rappelle plus, je lisais ça, j'ai lu ça beaucoup au début de mon intérêt pour la psychanalyse, mais c'était The Golden Bow, je crois, que lisait Freud beaucoup, un anthropologue anglophone, qui s'était beaucoup intéressé à toutes ces preuves de meurtre de père, de parricide, de cannibalisme, et ainsi de suite. Donc Freud reste suspendu face à cette faille dans le savoir et plonge dans l'anthropologie, alors que Lacan, lui, s'accroche à la logique pour passer donc au-delà de cette faille, enfin, pas pour passer au-delà de cette faille, mais pour faire avancer la psychanalyse en laissant justement cette faille ouverte. Et donc, occasion de passer à l'envers de la psychanalyse, c'est séparer donc la psychanalyse freudienne de la psychanalyse lacanienne. C'est-à-dire la psychanalyse en tant qu'elle est le discours de Freud. Donc, l'envers de la psychanalyse, c'est le discours de Lacan. Et sans recours au nom du père, ça, c'est l'envers de la psychanalyse de Freud, dont j'ai dit m'abstenir. Donc voilà, biais légitime à prendre de la topologie trahie par ce discours, c'est-à-dire la topologie, Lacan continue de manière explicite pour changer, topologie où ça est l'idéal monocentrique, c'est-à-dire le père. Et donc Lacan dit que le départ qu'il prend de Freud se légitime de l'idéal monocentrique de Freud qui se délimite, qui se discerne dans le biais anthropologique pris par Freud. Que ce soit le soleil n'y change rien, donc ça c'est les élaborations sur Freud, de Freud dans Moïse et le monothéisme, où il retrouve quelque chose du côté des Égyptiens, enfin quelque chose dont je ne me souviens pas des détails, mais Freud fait toute une généalogie où il va de plus en plus loin historiquement pour retrouver cette figure donc, du père assassiné. Donc l'idéal monocentrique dont Freud soutient le meurtre du père, quand de laisser voir qu'il est à rebours de l'épreuve juive patriarcale, le totem est tabou, l'abandonnement de la jouissance mythique, non la figure d'Akhenaton. Donc là, Lacan fait à Freud le reproche de s'être écarté à mauvais escient de la tradition juive pour s'être raccroché à la figure d'Akhenaton, donc l'Égypte, le monocentrisme, l'héliocentrisme. Et donc ce que Lacan reproche vraiment à Freud, c'est sa topologie, au-delà même de la croyance au père, c'est-à-dire d'organiser les choses autour du un, d'une figure d'exception. Et là, on va retrouver dans le séminaire 20 les tableaux de la sexuation avec à gauche la logique de l'exception. C'est parce qu'il y en a un qui n'est pas soumis à la fonction phallique que les autres le sont. Croyance freudienne inébranlable, auquel Lacan substitue la logique du patou et la logique de la série à la logique de l'ensemble fini. Et donc là, on retrouve, si vous voulez, avec l'étape de la sexuation, le titre d'Alexandre Coiré, du monde clos à l'univers infini, du monde clos, la logique masculine, à l'univers infini, la logique du patou. Et après, il finit avec une petite blague. L'effet de cristal que je touche, de la faux du temps. Alors quand même, je pense que la faux du temps, on entend tous la mort. Et là, cette phrase magnifique, qu'au dossier de la signifiance ici en jeu de la castration soit versé l'effet de cristal que je touche, de la faux du temps. Donc Lacan, il nous dit ici qu'il va encore se servir de l'effet de cristal pour nous faire entendre, pour réfracter une autre signification, qu'il n'y a de castration que la mort. Il n'y a pas le père qui vient couper le zizi. Et ça, on a la faux du temps. Alors après, la faille, le faillir, le falloir, le vrai, le faux, la faux. On a vraiment cette démonstration en action de ce que Lacan appelle la condensation pour s'écarter du sens premier de la métaphore comme point de capiton
au sens vulgarisé qui perd de sa force, c'est-à-dire le signifiant qui vient rétroactivement donner un sens à tout ce qui s'est dit auparavant. On a plutôt l'effet d'une condensation de son qui fait sens par homophonie et non pas par le biais d'une chaîne signifiante, si vous voulez. Quand on a faillir, falloir, faux, la faux, il faut du temps, là on a un effet de sens qui n'est pas un effet de signification. Et ça, c'est le succès de la condensation que Lacan y allait chercher dans la poésie de Jacobson et les anagrammes de Saussure. C'est-à-dire un forçage du langage pour faire passer quelque chose du sens hors chaîne signifiante. Et donc on finit là-dessus. Donc remplacement de l'interdit par l'impossible, remplacement de la castration par la mort, et remplacement donc du temps chronologique par le temps logique, et remplacement de l'être par le l'être à devenir ou le devoir devenir à, venir à l'être par le biais du dire, et tout un tas de choses qui en effet nous font passer à l'envers de la psychanalyse freudienne. Voilà ce qu'on peut dire de cette magnifique question 4. Il nous reste 10-15 minutes si vous avez des commentaires ou des questions ou des autres choses. Je voulais te remercier, Véronique, vraiment, parce que c'est pas quelque chose que, en tout cas, moi, j'ai pas vu apparaître aussi de manière aussi déployée lorsque j'ai lu le texte de Radiophonie, c'est-à-dire toute cette question, ce renversement de notre désir d'avoir un monde figé qui serait déjà là à quelque chose de l'envers, c'est-à-dire un devoir-être, comme tu as dit, une implication subjective où rien n'est figé, où même, ouais, où l'existence même, elle est dans le mouvement, enfin, dans quelque chose qui est elle est dans ce qui se produit, pas à produire, ce qui se produit. Et ça, je trouve que tu l'as dans le dernier quart d'heure là que tu as parlé, illustré de manière magistrale. Moi, c'est vraiment cet effet que me fait ce que ta lecture, c'est ce retournement et cette concentration sur l'implication subjective, un devoir-être qui indique aussi quelque chose de la place qu'on a occupée après dans le choix qu'on a fait de la psychanalyse. Voilà ce que j'avais envie de donner comme écho. Merci René. Oui, c'est pas l'éthique du surmoi. C'est pas facile de séparer l'éthique du surmoi. Non, il y a vraiment un arrachement. Il y a vraiment quelque chose. Ouais, d'un arrachement. Il s'agit vraiment de couper avec une logique qu'on croit naturelle, et c'est pas naturel du tout. Et c'est ça que j'appelle un renversement, qui n'est pas une révolution, puis ça revient au point de départ, mais qui est vraiment, on va de l'autre côté, l'envers. Je crois que c'est le mot le plus adéquat, l'envers. C'est vraiment de passer sur l'autre face. Merci. Il y a peut-être d'autres commentaires, d'autres réflexions? Oui, moi, ce que... C'est tout à fait nouveau. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, mais une qui a résonné mais très fortement, c'est ces questions du surmoi. Parce que j'ai cru comprendre, c'est là où il nous a mené, c'était au-delà de la logique, de l'inconscient freudien, la représentation est là. Mais là, tu nous dis, Véronique, que c'est à quoi nous on répond, c'est à cette logique du surmoi. Et ça, je trouve très fort comme remarque,
Et s'il y a quelque chose qui a bousculé, en tout cas, c'est ça, en fait. Je n'avais jamais entendu ça de cette manière. Donc, Moi non plus, ça m'est venu en le disant. C'est vraiment en effet le lien entre l'être et le dire. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas déjà là. Et... Enfin, c'est ce que je disais à la soirée de l'ECF jeudi soir, que finalement, donc j'avais été invitée à parler de ce numéro de la revue. Et en effet, on m'avait demandé pourquoi est-ce que le texte de Miller commence par « Aujourd'hui, nous allons nous amuser », alors qu'en effet, le texte est hyper abscon et très compliqué à lire, fort aride et ainsi de suite. Et donc, si ça m'était venu, que ça venait de certainement pour Miller d'un effet de liberté par rapport donc au sens déjà là. Et que finalement, une fois qu'on a saisi l'opérativité du signifiant hors sens, on peut, comme il le dit lui-même, créer tous les êtres de langage qu'on a envie. Grâce à ce signifiant, vous avez autant d'êtres que vous voulez. Il faut que le signifiant se monte en discours pour que des êtres fassent leur apparition à la surface du réel, quitte à éclater comme des bulles de savon. Bon, voilà, une fois qu'on sait que le signifiant n'est pas représentation, n'est pas, il n'y a pas la référence, la Bedeutung, eh bien, on acquiert une liberté par rapport à la vérité. C'est pour ça que Éric Laurent avait dit à Question d'école, en effet, que la seule chose par rapport à la place de la vérité, il fallait qu'elle soit vide, c'est qu'ensuite, on a la liberté d'articuler un discours, de produire des êtres de langage dont, en effet, on va ensuite dire s'ils sont vrais ou faux selon l'ordonnancement logique que l'on va produire. C'est un acte du dire. Ça me semble tout à fait juste. Et d'où, en effet, la formule « gai savoir » qui vient à Lacan, finalement. À la fin de son enseignement, c'est qu'une fois qu'on a vu ça, qu'on a aperçu ça, ben, eh bien on est fort libre. Par rapport à la notion de vérité, je pense à toutes les représentations qui ont été faites de la vérité qui apparaît, qui sort le plus souvent, enfin, c'est souvent une femme nue ou peu vêtue, qui sort d'un puits, c'est-à-dire d'un vide, de quelque chose qui a à voir avec l'oubli, comme l'étymologie du mot vérité le dit. Il faut un oubli, donc un vide, pour qu'il y ait quelque chose de l'émergence d'une vérité. Il ne faut pas regarder la femme à poil. Non, justement, il faut regarder le puits. Comme Miller le dit ici, fort joliment, il dit que l'amour, c'est faire exister l'imaginaire, mais que ce qui fait un, ce n'est pas le un imaginaire, c'est le un du signifiant. Tout à fait. Ok, je ne sais pas s'il y a encore d'autres remarques, sinon je me permettrai de rappeler notre prochaine séance le samedi 29 mai. Et puis alors, essentiel, ce que nous avons fixé, le vendredi 2 juillet, notre dernière séance en présentiel, pour ceux en tout cas qui le peuvent, mais elle sera aussi en Zoom, elle sera mixte en fait, le vendredi 2 juillet à 17h, de 17h à 20h, avec au terme un apéritif dînatoire auquel vous convie donc la SREP pour clore cette série de lecture de radiophonie. Je vous le rappellerai par mail. On fera un quiz pour savoir ce que les gens ont compris. Oui, alors c'est en préparation, il y aura un QCM, c'est juste. Voilà, alors je vous... On va mettre les lettres vraies ou faux. Vous êtes donc avertis. Vrai, faux et je ne sais pas. Ok. En tout cas, un grand merci à Véronique, mais aussi un grand merci à Sandra et à Nelson, à tous les trois, pour cette matinée.
Je vous souhaite une bonne suite de journée. Profitez d'aller marcher, d'aller sur les terrasses en Suisse parce que les terrasses sont ouvertes, mais allez marcher au soleil, puis je crois qu'il fait beau un peu partout. Allez, je vous dis attends. Oui, attends, vas-y. Il faut que des personnes se portent volontaires pour travailler la prochaine fois. Ah oui, pardon. Ah, ah oui, la prochaine fois, on prend la question 5, donc. Hein. Ça continue avec Marc. Il y a une référence ethnographique. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de la suivre. C'est Malinowski. Les Argonautes du Pacifique occidental sur le Coril. La coquille n'entendra jamais l'écoute de Marx. Voilà le Coril, on commerce les Argonautes d'un océan peu pacifique, celui de la production capitaliste. Ça peut être rigolo de chercher cette référence. Alors, moi, je veux bien. J'ai rien compris, mais je veux bien. Je veux bien retracer cette référence. Oui, tu pourras me les envoyer ou par mail. Oui. Ou... Ouais. Okay. Ok, donc Katia, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si Nelson a envie de d'être en tout cas disponible pour continuer un peu avec Marx, parce que je pense que tu as lu beaucoup plus que ce que tu n'as dit. Oui, pour continuer avec Marx, oui, j'ai lu pas mal et simplement que Marx, on peut le prendre sur différents chemins. Alors peut-être je voudrais voir avec toi en détail peut-être sur quel chemin reprendre Marx. D'accord. Oui, peut-être on peut le préparer ensemble. En tout cas, pour super. Voir les, quelle direction prendre. Parce que... Oui, pour reprendre Marx, oui, ça va. Ok, merci. Alors... Katia, Nelson. Merci Nelson. Donc Nelson et Katia, question 5, et puis autour de la question de Marx, et puis Katia, la référence qu'elle t'enverra. Est-ce qu'il y avait encore autre chose que tu voulais ajouter, Véronique, avant qu'on termine? Thomas Ratlow nous fait parvenir ses excuses, qu'il a été aplati par la deuxième dose de vaccin. Voilà, je viens de voir aussi. J'espère que ça se passera bien pour lui. Ça devrait être bref en principe. Ouais. Ok. Alors, cette fois, je dis au revoir pour de vrai. Et juste, il y a une petite référence au mythe de la Côte d'Adam, page 438, je crois. Si vous voulez, je peux faire un petit truc. Ah oui, super, Marie. Ok, d'accord, Marie. D'accord. J'ai noté. Ça marche. C'est tout bon cette fois? Parfait. Alors, Violaine et moi sur Alcibiade. Violaine veut aussi faire quelque chose sur Alcibiade, c'est juste? Tu mets ton micro, Violaine? Oui, Alcibiade, parfait. Parce que c'est intéressant, c'est l'histoire du Socrate et du banquet. Donc, ça me dit de travailler ça. Il y a aussi Descartes, Hegel. Ouais. La philo, c'est vraiment compliqué. Alors, on a Alcibiade et Socrate, Malinowski, Marx et la Côte d'Adam. C'est déjà bien. C'est bien. Le menu est pas mal, il manque le dessert. Alors, tout ça pour le matin. Merci à Véronique, c'était remarquable. Merci à tout le monde, mais je trouve que la manière dont tu nous prends par la main... Ça donne déjà envie d'aller lire beaucoup de choses, donc c'est vraiment un plaisir. C'est agréable de lire avec la lecture de Lacan aussi. Oui, c'est ça. Et puis avec Éric Laurent aussi, oui. Oui, c'est moins drôle. Hein. On pourrait faire un truc sur l'humour une fois. Ah oui, l'année prochaine. On pourra finir pour au moment de l'apéro, au lieu de ces questionnements, on pourra faire
un concours des blagues. Sur le vide, c'est ses relations avec l'inconscient, il n'y aurait pas à faire. Le vide, c'est ses relations. Un peu, les prix, ça sera pour celui qui est moins troll. Le vide, c'est ses relations avec l'apéro. Ça marche. Voilà. Ah oui. Excellent thème de recherche. Parfait. Alors, je vous dis au revoir cette fois. Allez, bye. Merci, bye bye. C'est un peu d'être chacun chez soi, mais bientôt ce sera fini. Oui, ouais. Ça marche. Bye bye. Au revoir. Merci tout le monde. Merci Sandra aussi.